Julian Coca de l'équipe Cofidis. Hein. Je rappelle qu'il a changé d'équipe. Hein. Et donc, sprinter. C'est un coureur qui est là depuis longtemps, mais qui est loin d'être vieux. Je l'ai vu au départ ce matin, c'est pour ça aussi que j'aime bien aller voir, prendre un petit peu la température au départ. Vous venez de le dire, vous étiez au départ ce matin, dans les coulisses. Est-ce que vous avez des petits bonbons, des petits secrets à nous révéler? Ah, des secrets, non. Et même si j'en avais, je les dirais pas. Allez, par contre, j'ai vu un petit peu la tendance. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une course qu'on prend à la légère. Il y a, je le rappelle, plus de 174 km. Il y a un parcours difficile. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que la météo est belle et ça, les coureurs apprécient pour une première course. Et c'est une course qui a de l'enjeu et vraiment énormément d'enjeux. Et ça va vite, hein, parce qu'au départ, ils avaient du retard et finalement, apparemment, ils ont de l'avance. Hein. Vous avez cité Benoît Cosnefroy, vainqueur ici en 2020, hein, leader de la formation G2R Citroën. C'est l'un des cadors du peloton désormais. Il est dans votre équipe de France hein, quand vous faites les sélections. Sauf que, encore une fois, vous l'avez dit, il vient d'avoir la Covid. Fabien Madigou a pris la température avec lui avant le départ. C'est vrai que j'étais pas prévu ici, même si je suis vraiment heureux d'être ici. Et c'est vrai que le plan initial était plutôt d'aller à Majorque. Bon, malheureusement, j'ai eu le Covid sorti de stage. Donc, je fais ma reprise ici avec plus le Covid, c'est déjà une bonne chose, et la santé. Et vous êtes justement à 100% des moyens justement après ce petit Covid? Je vous dirai ça à l'arrivée, j'en suis pas certain, mais une chose est sûre, c'est que j'ai l'envie, et avec l'envie, on fait beaucoup de choses. Sacré coureur, hein, Benoît Cosnefroy, on l'a dit, vainqueur en 2020 ici même, deuxième de la Flèche Wallonne et de Paris-Tours en 2020 aussi. Il a gagné aussi l'étoile de Bessèges en 2019, vainqueur du Tour du Limousin. Et l'an passé, en 2021, le Tour du Finistère et du Jura, la Bretagne classique, il a confirmé. Médaillé de bronze au championnat d'Europe avec vous sur route récemment. Il a franchi un palier. On peut dire que derrière Julien Alaphilippe, les Thibaut Pinot, on va dire les deux stars un petit peu du peloton français, il y a désormais, on peut le dire, Benoît Cosnefroy. Oui, il s'affirme. On se rappelle, il y a quelques années, il a été champion du monde espoir en Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Et il n'a cessé de progresser. Et il a surtout une très grosse stabilité. Il reste dans la même structure. Il sait où il va. Il a confiance en ses moyens. Et l'année dernière, c'est vrai qu'il a pris une autre dimension, dans le sens où, sur les courses d'un jour, l'année d'avant, déjà, la Flèche Wallonne, il avait fait mouche. Et... C'est un cador non pas du peloton français mais du peloton mondial et il est craint. Mais ça peut être, c'est un avantage, mais ça peut aussi être un défaut dans un final de course comme aujourd'hui, avec les belles équipes internationales présentes au départ. Alors autre cador évidemment, c'est Thibaut Pinot, que vous connaissez par cœur Thomas. Thibaut Pinot de la Groupama FDJ, l'un des rares du peloton du jour à avoir gagné sur les trois grands tours. Il ne devait pas participer lui aussi à ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, mais finalement il a dit oui. Comment se sent-il en ce début de saison après une année 2021 difficile? Sa réponse. Ouais, c'est vrai que c'était la galère l'an dernier, j'avais vraiment envie de remettre un dossard, donc en plus la météo est belle, donc il y a tout pour faire une belle course et j'espère qu'il y aura une belle course. Une course qui peut convenir à vos qualités et à celle de l'équipe, parce que vous avez une belle équipe aujourd'hui. Hein. Ouais, on a une belle équipe, c'est vrai que j'ai déjà fait deuxième ici en 2016, donc voilà, c'est une course qui me correspond. Après, il y a un niveau qui est quand même maintenant beaucoup plus relevé qu'avant, et voilà, on sent que la course a progressé aussi, et voilà, il y aura vraiment de quoi faire, mais je pense qu'il y aura une belle bataille depuis la route des Crêtes. Ouais. La route des Crêtes, justement, ça sera, allez, on a envie de dire le juge de paix, mais comme il restera 45-50 km derrière, ça sera trop tôt pour vraiment faire la différence. Par contre, ça va écrémer le peloton, Thomas. Elle mène vers le Cap Canaille, au pied des falaises souveraines. Il y a beaucoup de faux plats, de descentes, c'est très casse-patte, mais la moyenne est de 7,6% pour une ascension estimée à 5 km, avec des passages à 23% dans les deux premiers kilomètres. C'est un col de troisième catégorie en début de saison. Thomas, là, ça fait mal aux jambes. Hein. Oui, ça fait mal aux jambes, mais on peut traduire un petit peu les propos de Thibaut Pinot. Il a bien dit que c'était loin de l'arrivée. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, mais je serais surpris que les choses décisives interviennent dans la Côte des Crêtes.
On rappelle que cette route est prise dans le sens inverse. Donc ça veut dire que c'est dans encore le sens inverse par rapport aux autres années. Aux autres années, hein. Donc là, il y a vraiment des parties, quand on dit 23%, c'est pas pour en rajouter. 23% d'inclinaison, c'est quelque chose. En début d'année, c'est énorme, quoi. Alors, 23% sur 1,8 km, mais évidemment, les 23%, ils sont là. Et on pourrait voir, hein, le scénario de course. C'est peut-être que voilà, il y a 40-50 coureurs qui s'isolent, ou un peu moins, et qu'après, petit à petit, il y ait un groupe peut-être d'une dizaine, d'une quinzaine de coureurs qui puissent arriver au sprint. C'est une possibilité ou c'est un scénario un peu trop Non, c'est une possibilité. Utopique. Mais en revanche, la route des crêtes, il y a certains coureurs qu'on pourra citer par la suite qui ont une très belle pointe de vitesse et qui n'ont pas les talents de grimpeur d'un Thibaut Pinot, par exemple. Il n'y a pas que Thibaut Pinot, bien sûr, c'est le plus populaire, donc c'est normal qu'on parle de lui, et c'est normal. Mais ceci dit, il peut y avoir du ménage entre guillemets dans la côte des crêtes, mais ensuite il y a encore du temps pour que les équipes bien organisées se remobilisent. Et n'oublions pas le passage de la Gineste avec des pourcentages pas si élevés que ça, même si le vent ne souffle pas fort aujourd'hui, c'est quand même une route large, il y a encore 7 quelques kilomètres à 3% de moyenne. Exactement, avec surtout le début qui est dur. Et puis après, il y a cette arrivée qui est quand même sur du plat. Donc, il faut tenir compte de tout ça, et c'est ce qui rend la course belle, parce qu'il y a de l'incertitude. Alors, on voit le palmarès de ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. On voit qu'il y a du beau monde quand même qui s'est imposé. Vous aviez fini deuxième en 2009. Un souvenir, c'était le Provençal Rémy Poriol qui vous avait devancé. Un souvenir de cette course où vous aviez fini deuxième? Ben, à l'époque, l'arrivée était jugée à Lumini, si je ne dis pas de bêtises. Hein, après, oui, à quelques kilomètres d'ici. Exactement. Entre Cassis et Marseille. Le souvenir que j'ai, c'est que, après s'être bien entraîné tout l'hiver, on a envie de savoir où on en est quand on est coureur. Et là, on a beau sortir tous les programmes d'entraînement qu'on veut, toutes les valeurs de référence en termes de watts, etc. N'empêche qu'il n'y a que le terrain qui compte. On a besoin d'être rassuré, de savoir où on en est, même si les chiffres parlent et qu'on est assez confiant. Bien à l'époque, il y avait 30 km de moins. Et on se disait, oh ben, à l'entraînement, on en fait 40 de plus, c'est court comme première course. Eh ben, je vous garantis qu'après 140 km à l'époque, déjà, après, je me disais, il y en avait bien assez. Et aujourd'hui, il y en a plus. Et en 2009, il pleuvait. Et, ouais. Et donc, vous aviez fini deuxième. Vous avez manqué quoi? Rien. Très franchement, Rémy Poriol était plus fort. Et, si ma mémoire est bonne, il était échappé depuis un bout de temps. J'étais avec un coéquipier, donc on était à deux pour essayer d'aller le récupérer pour la poursuite. Qui dit deux de la même équipe dit ne pas se regarder, ne pas en garder sous la pédale. On était tombé sur un coureur plus fort que nous, et puis qui nous avait tenu la dragée haute dans le col de la Gineste, qui n'est pas rien. Et que tous les coureurs, en tout cas, faut savoir, on peut rappeler que dans les bus des équipes avant les départs, aujourd'hui, même les coureurs étrangers qui n'ont jamais disputé le Grand Prix de la Marseillaise, il y a tellement d'outils aujourd'hui pour que ce soit vidéo ou quoi, pour analyser le parcours, que même s'ils ne l'ont jamais disputé, ils ont vraiment tous les facteurs concernant le parcours. Alors, vous parliez de ce début de saison. Maintenant que vous êtes patron de l'équipe de France, c'est comme si vous étiez directeur sportif, même si c'est qu'un jour. Vous diriez quoi à vos coureurs? Il faut rouler, amusez-vous, regardez un petit peu votre état de forme, ou au contraire, il faut montrer le maillot? Alors, ça dépend dans quelle équipe vous dirigez, ça dépend de l'état de forme de chacun. On ne peut pas tout savoir, il y a beau avoir les réseaux sociaux, il y a beau avoir les médias, on ne sait pas si un tel coureur peut-être a été malade, peut-être n'a pas voulu communiquer dessus, peut-être a-t-il des objectifs plus lointains. Donc tout ça, je n'ai pas la réponse à ça. Mais en revanche, si on prend les équipes présentes à l'avant, dans cette échappée de 7 coureurs, qui est devenu 6, eh bien, c'est des équipes, en tout cas les coureurs présents, qui savent peut-être pertinemment, sans leur faire offense, qu'à la pédale, face à aux coureurs qu'on vient de citer, vu comment le parcours est sélectif, qui n'auront peut-être pas de chance. Donc, montrer le maillot, oui, mais c'est surtout une manière aussi de donner une bonne dynamique à l'équipe, parce que quand on a un coéquipier à l'avant, ça permet derrière de se dire on a quelqu'un à l'avant, on reste bien placé en second rideau, et on est prêt à faire feu quand il sera repris. Mais attention tout de même, il y a dans ces 6 coureurs des coureurs capables de tenir un bout de temps. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont plus que 5, j'ai un petit doute, je vois plus que 5 coureurs devant. On va citer les 3 noms manquants parce qu'ils ont rattrapé donc nos deux fuyards qui étaient Nicolas de Beaumarchais,
de l'équipe Saint-Michel Aubert 93 et Alexis Boujard. Là, je vois Clément Carizé, le dossard 52 de Gosport Lille-Roubaix Métropole. Je vois Louis Blouve, le dossard 122, c'est un Belge de la formation Bingol Powels SOS WB. Et je vois Danny Van Der Tuck, le dossard 163, c'est un Hollandais de Kern Pharma. Apparemment, donc Jordan Jega, le leader de l'équipe Team U Nantes Atlantique, a été décroché, comme le coureur de la formation Nice Métropole Côte d'Azur, Julien Amadori, qui faisait partie des échappés au départ. Les degrés de forme, on l'a dit, sont divers. Dans le peloton, il y a des coureurs exceptionnels, mais il y en a qui sont en fin de carrière, il y en a qui ne sont pas préparés. Par exemple, des coureurs comme Boasson Hagen, qui est un nom, mais aujourd'hui, peut-être qu'il est en fin de carrière et qu'il ne sera pas pour la gagne aujourd'hui. Évidemment, tout dépend de la préparation que vous avez eue. Oui, bien sûr. Vous citez Edvald Boasson Hagen, qui est recrue de Total Energy depuis 2021. Bien entendu que c'est un nom ronflant, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un nom qu'on va aller gagner le Grand Prix de la Marseillaise, surtout avec le menu qui se présente. Donc son état de forme, lui seul le sait, ses entraîneurs également, son staff. Nous, en tout cas en cabine, on n'a pas forcément les informations. Donc oui, il y a beaucoup de noms, on est pas, hein. Il y a un très beau plateau, on peut le rappeler, hein, sur ce Grand Prix de la Marseille. Il y a vraiment Thibaut Pinot l'a dit. Quand on a cité le départ, que je vous ai proposé ce qu'on avait en magasin, il y avait, on va dire, 10-15 coureurs de niveau vraiment mondial. Quoi. C'est... Oui, et puis Benoît Cosnefroy et Thibaut Pinot se sont rajoutés en dernière minute. Donc on va pas bouder notre plaisir, hein, si vous rajoutez Guillaume Martin, mais bien d'autres. Ouais. Je voulais juste revenir sur les deux coureurs qui composaient l'échappée et qui ont donc perdu le contact avec les 7 de devant. Il faut noter qu'ils sont dans deux équipes qui viennent de passer professionnel en continental. Des équipes continentales, l'équivalent, on peut dire, de la 3e division, sans leur manquer de respect. Ah, c'est pas un manque de respect, c'est dans les faits. Ce sont des équipes continentales, mais que ça soit donc une de la région, hein, Nice Métropole Côte d'Azur. Et le team U Nantes Atlantique qui, donc, font leur première course au niveau professionnel. Déjà, ils ont eu le mérite de placer un coureur dans l'échappée du jour, et sachant que vu le parcours, c'était pas chose aisée, les deux coureurs de ces deux équipes sont sortis à contre-temps derrière 5 coureurs. Ils ont intégré l'échappée. Eh bien, ils ne passeront pas à la télé, mais en tout cas, ils ont tenu leur rang et ils ont d'autres coureurs en magasin, peut-être pour s'illustrer. On a vu que l'écart se réduit. Hein. Il est désormais en gros à 3 minutes 40. Ça va être compliqué pour les 5 hommes de devant. Vous parliez du plateau assez exceptionnel. Il y a deux coureurs qui ont donc gagné sur les 3 grands tours, des étapes des 3 grands tours. C'est Thibaut Pinot et Philippe Gilbert. Et puis, il y a beaucoup de coureurs qui ont gagné dans deux Tours de France. Il y a Tony Galopin, il y a Bokeh Mollema, Kort Nielsen, dont on a parlé, c'est l'un de vos favoris, et Boasson Hagen. Ça fait quand même un super parcours. Et deux champions du monde, donc, on le disait, Mats Pedersen et Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, on est d'accord, c'est celui qui a le plus grand CV du peloton. Oh oui. L'un des plus grands coureurs de tous les temps en ce qui concerne les classiques. Il a quasiment tout gagné, mis à part Milan-San Remo. Il a été champion du monde en 2012. Seul bémol, il a 39 ans. C'est peut-être sa dernière saison. Il a bien voulu répondre à Fabien Madicou. Cela va être compliqué apparemment pour son équipe aujourd'hui. Il y a eu quelques maladies dans l'équipe. Après cette saison, on oublie peut-être que la grippe ou le rhume existe toujours à l'heure actuelle, mais on en a été un peu victime, je pense. On est sorti de stage peut-être un peu trop affaibli, et puis bah, les vols, etc. On se chope sur un peu des petites maladies, donc voilà, c'est rien de grave. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui justement? Bah, voilà, on est que 5, donc on ne va pas pouvoir peser sur la course, donc on va suivre. Après, on sait que pour les Français, c'est un peu le championnat du monde ici, c'est la reprise, donc on va les laisser faire et on va suivre. Alors, on parlait du parcours sélectif, Thomas. Est-ce que l'idéal, quelque part, c'est d'avoir deux cartouches? Je m'explique, un sprinter, comme l'équipe Cofidis, un sprinter avec Brian Coquart, voire Benjamin Thomas, et un grimpeur avec Guillaume Martin. Quand on est directeur sportif, on a évidemment plusieurs possibilités dans la tactique de course, même si, encore une fois, Guillaume Martin, c'est peut-être un peu compliqué pour lui parce qu'il y a cette ligne droite finale. Oui, après, oui, c'est l'idéal d'avoir, vu le profil, d'avoir un coureur puncher, grimpeur, et en plus d'avoir une carte au sprint qui passe bien les talus. C'est clair que vous venez de citer Guillaume Martin et Brian Coquart. Oui, c'est l'idéal de pouvoir jouer sur deux tableaux. Mais
à côté de ça, si vous avez ces deux cartes-là, les adversaires le savent aussi. Écoutez Philippe Gilbert, ce qu'il vient de dire. Vous avez dit qu'il avait énormément d'expérience, ce qui est vrai. Il sait très bien ce qu'il déclare. Et ce qu'il déclare, c'est que, en gros, on laisse faire les Français, puisque c'est une course en France. Mais si jamais, eh ben, il peut passer la ligne en vainqueur et non pas faire deuxième comme en 2006, il ne va pas se gêner. Donc voilà, c'est Philippe Gilbert, ancien champion du monde. Je l'ai vu au départ également, et malgré ses 39 ans, il ne les fait pas. Je peux vous dire qu'il ne les fait pas, et je pense qu'il a bien préparé son affaire. Je ne dis pas qu'il sera vainqueur aujourd'hui, mais il n'arrivera certainement pas à un quart d'heure. Alors, Philippe Gilbert, il faut quand même dire qu'il a remporté 4 des monuments. Il manque 4 des 5 monuments. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas ce que c'est un monument du cyclisme, il y a Paris-Roubaix, il y a Liège-Bastogne-Liège, il a le Tour de Lombardie, et le quatrième, le Tour des Flandres. Et lui donc, manque Milan-San-Remo. Il lui manque Milan-San-Remo, mais il a gagné en 2019, hein, Paris-Roubaix. Ça veut dire que c'était pas il y a 10 ans. Il est encore fringant, le garçon, malgré ses 39 printemps. Il a presque votre âge, Thomas. Oui, Philippe Gilbert, c'est... Tout le monde parle souvent en termes de longévité d'Alejandro Valverde. Philippe Gilbert est un exemple également. Il est là, il est motivé, il est toujours à faire la course. Si jamais il attaque pas, il est là pour aider des coéquipiers. On va le voir à l'image tout à l'heure. On va le voir, c'est sûr. Il va pas passer la journée au chaud dans le peloton. Et puis voilà, il était pas prévu hein, sur le Grand Prix de la Marseillaise. Il a changé un petit peu son programme. Donc bien sûr que Philippe Gilbert, c'est un ancien champion du monde. Ils ne sont que 5 coureurs de son équipe au départ, il l'a rappelé. Il y a deux équipes qui n'ont que 5 coureurs au lieu de 7, et il y en a 3 qui n'ont que 6 à cause du Covid. Hein. Exactement. Donc à partir de là, de toute façon, un Philippe Gilbert au départ d'une course, il n'est pas là pour rester dans le peloton et ne rien faire. On s'approche de la route des Crêtes, véritable monument. On en parlait un instant des monuments du cyclisme avec une vue incroyable sur les Calanques, sur la Ciotat, sur Cassis. C'est magnifique. C'est l'un des joyaux de notre région. Le peloton continue de réduire l'écart. Il est désormais à 3 minutes 14 des 5 fuyards. On a juste le temps, peut-être, avant cette montée des crêtes, de parler d'anciens vainqueurs de cette course. Il y en a deux. Jonathan Hiver, en 2010, de l'équipe BNB. Et Benoît Cosnefroy, on l'a dit et redit il y a 2 ans. Jonathan Hiver est un homme pressé. Il veut aller vite aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi, Thomas ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme du début de saison. Oui, et bien vous savez pourquoi ? Parce qu'il va être papa. Ah, oui. Ben oui, c'est magnifique. Dans les jours qui viennent, donc il est assez pressé. Il veut vite prendre l'avion pour repartir. Et il nous a dit ce matin qu'il adorait cette course. Voilà pourquoi. C'est une course que j'adore faire. Je ne sais plus si ça fait pas 13 ou 14 fois que je la fais. Donc je viens tous les ans quasiment. C'est une course que j'adore, même dans ce sens-là. Là, je trouve que c'est bien le nouveau parcours. Et c'est vrai que c'est une course très exigeante pour la première. On finit tous... avec notre compte à l'arrivée. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver avant le départ. Quoi. Oui, ils ne savent pas. Par contre, eux, ils savent. Parce que ça y est, ça monte. Un mot sur cette course. Apparemment, là, il y a du braquet, Thomas. Ouais, c'est encore une côte. Ils ont changé le braquet, hein, justement. On a vu le peloton qui était dans la descente, donc à 3 minutes derrière eux. Et là, vous voyez, ils sont sur le petit plateau. On a noté au début de la retransmission, déjà depuis de nombreux kilomètres, c'était l'équipe Groupama FDJ qui prenait les choses en main derrière les 7 puis 5 coureurs échappés. Et là, à l'approche de la route des crêtes, AG2R Citroën, mais également l'équipe IF Pro Cycling. Là, ça embraye clairement, hein, on le voit dans l'écran, l'écart ne cesse de se réduire. 3-14, 3-12, 3-10, 3-8, 3-0-6 désormais, 3-4, ça, c'est incroyable. Et là, c'est dur pour les hommes de tête, hein, encore une fois, en ce début de saison, Thomas. Bah, là, la lutte est un petit peu inégale, regardez la physionomie du peloton. En fin de compte, on a l'impression là que l'équipe IF, hein, donc les maillots roses, l'équipe IF Pro Cycling prend les choses en main. L'intérêt, c'est surtout de placer leur leader au bon endroit, au moment où il faut. Donc, ça ne coûte pas très cher de se placer en tête de peloton. Ce n'est pas tellement pour réduire l'écart qui, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée, n'est pas irrémédiable. Mais par contre, c'est hyper important et on n'a pas l'impression sur l'hélico, mais regardez, à droite, à gauche, il y a des îlots. Tout le monde essaye de se placer parce que
la montée est courte et le placement est aussi important que les capacités physiques dans la montée qui arrive. Et on rappelle l'éducation, EF Éducation, on en parle depuis un moment, c'est l'équipe de Cort Nielsen et d'Alberto Bettiol, qui n'est pas n'importe qui, Thomas. Non, un ancien vainqueur du Tour des Flandres, qui c'est vrai qu'il s'est révélé sur le tard, hein, il n'est pas tout jeune. Mais, il a 28-29 ans. Ouais. Mais par contre, il fait partie des clients au plus haut niveau international et attention à lui aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. 28-29 ans, c'est l'âge, j'ai envie de dire, où ça y est, on est un coureur quasiment mûr, on n'est plus dans les jeunes, on n'est pas encore dans la force de l'âge où c'est peut-être 30-31 ans, mais ça y est, on est prêt à rivaliser avec les meilleurs. Hein. Je ne vais pas vous donner tort, parce que c'est ce que je disais il y a encore 3-4 ans, mais quand on voit, si on fait une parenthèse, des Bernal, des Evenepoel ou consorts, ils mettent un petit peu à mal cette théorie de la maturité physique de 28-32 ans quand on est coureur cycliste. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup plus de coureurs qui arrivent en pleine possession de leurs moyens à partir des 26-27 ans. Alors, deux précisions, on parlait d'Alberto Bettiol. Une étape du Tour d'Italie l'an passé tout de même, et quatrième des Strade Bianche, qui est une épreuve, une classique désormais reconnue et difficile. Et vous parliez d'Egan Bernal il y a quelques instants, oui. On va le saluer, Thomas, parce qu'il a frôlé la mort cette semaine. Le mot n'est pas trop fort, en effet. Non, mais là, on n'exagère pas. Il a pris un bus dans une sortie d'entraînement et il a été opéré notamment de la colonne vertébrale. Ancien vainqueur du Tour en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était le champion colombien. On disait qu'il va peut-être gagner 4-5 Tours de France. Il a dit lui-même, j'ai failli être paralysé et mourir lors d'une sortie d'entraînement. Il y a eu vraiment, c'est le propre du sport cycliste, malheureusement, quand tout va bien, et puis il peut y avoir le moindre moment de déconcentration ou pas d'ailleurs. Il était à l'entraînement avec 4 coéquipiers ou 3 coéquipiers à lui en Colombie. Il y avait un bus arrêté, il l'a pris à 50 km/h et le bilan médical a été extrêmement corsé. Apparemment, les opérations chirurgicales se sont bien passées. Il y en a encore d'autres à venir. Il est confiant, mais n'ayons pas peur des mots. Ça serait surprenant de revoir un Egan Bernal à son meilleur niveau au moment du Tour de France. On ne va pas prévoir ça, mais on ne va pas dire qu'il a fini sa carrière. Mais en tout cas, c'est compliqué pour lui pendant quelques mois, voire quelques années. Là, il souffre, j'ai l'impression, le 122 Louis Bluve, le Belge de la formation Bingold Powell-Sos WB, il est dans le dur. Oui, là, c'est trop dur pour lui. Son temps est compté. En tête de course, là, pour le coup, là, on peut l'affirmer parce que. Ouais, il n'arrive pas à suivre. Mais après, on rappelle, le départ a été donné à 12h20. Il y a eu du sport. On a pris l'antenne à 15h15. Il y a eu du sport. On est en début d'année. Et là, il y a des pourcentages. Bon, ça va. Il ne va pas pouvoir suivre le rythme, ça, c'est clair. On va voir l'évolution du peloton. Quand là, il est dans les groupes. Et le peloton en temporise. Je ne serais pas surpris que l'échappé maintienne un petit peu son écart. 2,38, reprenne quelques secondes 2,38 d'avance. 2,38 à 50 km de l'arrivée, voilà. Quasiment. Parce que là, il y a eu un gros effort du peloton pour se placer, ne pas faire prendre de risques aux leaders de chaque équipe. Et ensuite, ce qui se passe quand on arrive dans une côte aussi dure, si elle n'est pas tout près de l'arrivée, eh bien, ça se pose un petit peu, le rythme se pose un peu, le leader est sécurisé, il est dans les 20-30 premières places. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir déclencher les hostilités trop tôt. Et on en parlait, vous en parliez en début de retransmission. C'est quand même Alexis Goujard qui fait la meilleure impression. C'est le coureur le plus connu de cette échappée. On rappelle, spécialiste du contre-la-montre, il a 28 ans, une étape du Tour d'Espagne en 2015. Ex-AG2R, c'est vainqueur du circuit de la Sarthe. Voilà, c'est pas un coureur moyen, c'est quelqu'un qui a un CV quand même. Hein. Non, en tout cas, Alexis Goujard, c'est un solide. Voilà, il a un CV, c'est un solide. Quand il est dans une échappée, c'est toujours un des coureurs qui roule le plus. Des fois, on lui reproche, même, je veux pas trahir de secret, mais même ses directeurs sportifs passé, puisqu'il vient de changer d'écurie, s'arracher un petit peu les cheveux parce qu'il en faisait des fois de trop, mais on ne peut pas lui enlever qu'il est généreux dans l'effort. Et en tout cas, c'est un coureur extrêmement solide, pas réputé pour être le meilleur grimpeur, mais on le rappelle, on est en début de saison, le menu est costaud aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Donc attention à lui, 2 minutes 30, il reste 50 km, la cause est loin d'être entendue, mais je le verrai très bien, en tout cas, tenir jusqu'au final, pas forcément gagner, mais être encore là pendant un bon petit moment. Ouais.
49 km de l'arrivée, 2 minutes d'avance, 2 minutes 25 exactement pour les 5 coureurs échappés. On parlait de l'équipe tout à l'heure, AG2R Citroën, la double tenante du titre avec Cosnefroy qui a gagné en 2020, Aurélien Paré-Peintre l'an passé. Vincent Lavenu, qui est le directeur sportif historique de cette équipe, dit qu'il ne possède ni potentiel vainqueur du Tour de France, ni de sprinter. On parlait tout à l'heure de ces doubles cartouches à avoir quand on est directeur sportif. Lui, il assume totalement. Il dit qu'il a une équipe de bons coureurs capables de coups. Vous comprenez la stratégie et assumez cette stratégie, Thomas ? Oh bah de toute façon, bien entendu, je la comprends. Et puis d'autre part, Vincent Lavenu est à la tête d'une équipe qui est dans les plus anciennes du peloton professionnel international. Et c'est une équipe qui, grâce à un autre partenaire depuis l'année dernière, a un budget très conséquent. Et puis l'année dernière, si on se rappelle du Tour de France, on a un Ben O'Connor qui a terminé quatrième du classement général. Il a joué un petit peu de malchance, Vincent Lavenu, avec ses deux recrues phares, Greg Van Avermaet et Bob Jungels, parce que Bob Jungels était blessé. Greg Van Avermaet a été un petit peu en deçà de ses performances. Coureur de classique. Il lui manque le Tour des Flandres au palmarès. Il a déjà gagné Paris-Roubaix. Donc l'ADN de l'équipe AG2R Citroën, Vincent Lavenu l'a rappelé récemment, ça a toujours été les grands tours. Le départ de Romain Bardet a fait qu'il faut se réinventer un petit peu. Mais par contre, entre autres coureurs qui arrivent, il y a bien sûr Benoît Cosnefroy qui lui est déjà là. Et puis aujourd'hui qui est au départ également, il y a Clément Champoussin, un très jeune coureur. Qui a gagné une étape sur le Tour d'Espagne, rien que ça l'an dernier pour ses débuts. Et donc oui, c'est un coureur de très grand talent. Alors une précision dans cette ascension de la route des Crêtes, l'hélicoptère est obligé d'évoluer à plus de 800 mètres d'altitude, et ce en raison de la protection des animaux. C'est un couple de faucons qui bénéficie dans l'appel espèce protégée. Impossible de passer outre pour le bien-être des rapaces. Une attaque devant, Thomas. Ouais, là, ça déclenche. Hein. On a vu un petit peu, justement, sur la vue d'hélicoptère dont vous parliez, il y a eu du ménage de fait en queue de peloton. Là, on parlait de Clément Champoussin, c'est lui qui est en deuxième position. Et là, on n'a pas décidé d'attendre dans le peloton. Ce n'est pas forcément les équipes qu'on attendait. On a décidé de faire le ménage derrière l'échappée. C'est ce qu'on disait, hein, cette route des Crêtes, elle va écrémer le peloton, et il y en a qui vont raccrocher parce qu'ils sont en début de saison, ils n'ont pas les cannes, ils n'ont pas la force de suivre dans ces forts pourcentages, et le peloton de 140 coureurs va se réduire rapidement. Thomas. Bah là, il est déjà réduit. Hein, pour me cacher, regardez la vue d'hélico, là, en quelques centaines de mètres, en 400-500 mètres, il y a des cassures de plusieurs secondes, voire davantage. Il y a un gros coup de force du côté de l'équipe IF Pro Cycling. Je ne pense pas me tromper, mais il me semble que c'est Alberto Bettiol lui-même qui fait le forcing. Mais il fait mal. Hein. En tout cas, il fait mal. Il y a quelques coureurs dans la roue. Ils sont plus que deux dans la roue. 1,45, l'écart. Ouais, mais ça, là, dans ces cas-là, ça descend à vitesse grand V avec un tel pourcentage. On voit tout de suite qu'il est secondé par des équipes adverses, mais attention, même si on le répète, on est encore loin de l'arrivée, ça peut déjà avoir des conséquences. 71 le dossard à Alberto Bettiol, et le fameux le Magnus Cort Nielsen, c'est le 74. Et dans cette équipe, il y a aussi Valgren, le dossard 75, qui a fini troisième au dernier championnat du monde, Thomas, quand vous dirigiez Alaphilippe et qu'il a gagné cet automne. Bah vous me rappelez qu'il a fait troisième, je vous avoue que vous étiez tellement forcément dans la course que voilà. Mais quand même. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est un bon coureur. Bah Valgren, c'est pas le premier venu. Et Valgren, il fait partie de ces coureurs capables de, s'il est en condition, s'il est en très bonne possession de ses moyens, de passer les ascensions et d'avoir une très bonne pointe de vitesse ou en tout cas un bon finish. Là, à la suite de l'équipe IF Pro Cycling, on a l'équipe UAE Team Emirates, hein, l'équipe de Pogacar qui a pris le relais. Je pense que c'est l'équipe de Pogacar historique, c'est-à-dire que Pogacar, le double vainqueur du Tour de France, n'est pas là aujourd'hui. Il fera sa rentrée dans trois semaines dans le Tour de son équipe, hein, les Émirats Arabes Unis. Mais là, il y a une grosse équipe malgré tout de UAE, notamment avec Diego Ulissi, je ne dis pas de bêtises, le dossard 37. Mais voilà, Pogacar, lui, fera sa rentrée dans trois semaines. On rappelle, double vainqueur du Tour de France qui a écrasé quasiment la concurrence l'an passé. Magnifique les images. Là, nous sommes évidemment vers le Cap Canaille, cette route des Crêtes, le parc national des Calanques.
c'est sublime. Cela descend un petit peu, il y a beaucoup de paliers. Oui. Vous n'aimiez pas trop ça, Thomas, ou ça vous bon, les changements de rythme, ça me dérangeait pas, mais ça a l'air de déranger quelques coureurs à l'avant. Là, on voit quand même que l'échappée, tout à l'heure, quand je vous disais qu'ils restaient ensemble, là, ils ont les infos. On rappelle qu'il y a les oreillettes, ils ont les infos que derrière, dans le peloton, eh bien, ça bouge. Donc, on peut plus se permettre de gérer son effort. C'est pour ça qu'on les voit un petit peu un par un. Et sur ces parties-là, où on voit notamment le coureur de Kern Pharma qui est à 10 mètres des deux premiers, c'est important de rester dans les roues parce que les pourcentages ne sont pas les mêmes qu'il y a 2 km où on était petit plateau. Là, on est grand plateau et ben, il faut rester à 3. Il va avoir besoin de récupérer un petit peu. Et derrière, c'est Bétiol qui refait le forcing une nouvelle fois. Et il y a un gros ménage de fait derrière. Si j'ai bien compté, il y a maximum 30 coureurs. Thomas, qui est quand même très peu à désormais 46 km de l'arrivée. Alors, ça peut revenir hein, puisqu'il y a des descentes, mais là il y aurait 30 coureurs pour la gagne hein, parce que si vous êtes distancé maintenant, on va parler de près de 30 secondes, une minute, ça va être compliqué quand même de revenir avec le profil qu'il y a derrière. Oui, bien sûr que c'est compliqué sur le papier au sommet de la route des crêtes. Si vous passez à 45 secondes, on a l'impression que c'est terminé, mais malgré tout on ne sait pas ce que se disent les directeurs sportifs. Peut-être que là ils disent on fait le forcing et si ça marche pas, qu'on fait pas la décision, eh ben on attend et on attend le coureur rapide de notre équipe aussi. Donc ça peut favoriser un regroupement. Mais il y a un paramètre qu'on peut pas écarter, c'est qu'on est en début de saison et que les coureurs, ben, en début de saison, ils ont faim. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'en découdre. La même course, mi-octobre, on se dit bon, ben, l'échappée est partie, allez, on a un coureur devant, c'est bon. Non, là, tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a les crocs tout simplement. Donc ça peut se poser. Je ne suis pas dans la voiture des directeurs sportifs. Ben justement, si vous étiez là, vous diriez à Alberto Bétiol, oh, va, arrête un peu, garde-en pour la fin, parce que là, tu te dévoiles un peu trop tôt, non ? Ben, c'est surtout qu'il n'a pas grand membre de son équipe dans la roue. Donc là, je me permettrais de lui dire qu'il n'est pas... certes, il marche fort, mais que s'il a l'intention de faire péter de la roue, comme on dit dans le jargon des Thibaut Pinot ou consorts sur une ascension comme ça, il s'enflamme un petit peu. Mais bon, vous voyez, il s'est replacé en 4e, 5e position. La pente est quand même moins raide à cet endroit-là. On voit que ça va faire... je pense qu'il va y avoir un petit regroupement, mais malgré tout, ces efforts-là, ils vont compter. On voit Guillaume Martin, hein, qui est également très, très bien placé en tête de peloton. On rappelle la configuration de cette course. Hein, beaucoup de casse-pattes, beaucoup de petits cols, de côtelettes, comme on veut. Et il y a ces 2 km de ligne droite pour terminer avec souvent un sprint d'un petit groupe ou d'un gros groupe. Ça change quand même, évidemment, l'idée qu'on a quand on est directeur sportif. C'est-à-dire que, bon, si on n'est pas sprinteur, c'est compliqué quand même de s'imposer. Après, on regarde le parcours, on regarde le kilométrage, on regarde le dénivelé, mais il faut analyser un petit peu davantage. Là, la route des crêtes, bien sûr, ça fait peur. On voit des plus de 20%. Mais historiquement, le col de la Gineste, ça compte énormément pour le Grand Prix de la Marseillaise. Et l'année dernière, pour être très franc avec vous, quand Aurélien Paré-Peintre s'est imposé, j'aurais pas misé sur lui dans le groupe. Ah ben nous aussi, parce qu'on n'a pas vu arriver. Il y avait Boudin et Coquart qui étaient au sprint. En plus, Aurélien Paré-Peintre, il avait attaqué dans la route des crêtes et dans les cols avant. Il n'est pas trop sprinter. Et d'un coup, on l'a vu débouler, boum, sur le côté. On n'a même pas vu que c'était lui qui avait gagné. Non. Parce que évidemment, on était concentré sur les deux gros sprinteurs du groupe de 17 qu'il y avait. Et donc, encore une fois, ça fait le charme aussi du vélo. Oui. Il faut rappeler qu'il y avait une condition qui est vraiment radicalement différente aujourd'hui, c'est la force du vent. Aujourd'hui, le vent, je ne vais pas dire qu'il est nul, mais l'année dernière, le vent soufflait très fort de face, auquel cas, ça change complètement un sprint. Hein, le sens du vent, surtout dans une grande ligne droite sur le boulevard Michelet, comme vous venez de le dire, les coureurs ont le temps, ils ont les informations par l'oreillette, il y a du staff qui est déjà présent, qui informe les directeurs sportifs, qui eux-mêmes informent les coureurs sur le sens du vent. Mais après, il faut pouvoir gérer tout ça quand on a toutes ces infos dans l'oreillette. Et quand vous êtes, vous, patron de l'équipe de France, et que vous voyez qu'un coureur comme Aurélien Paré-Peintre, qui a quand même fait 16e du Giro pour sa première participation, qui gagne une course comme ça, en attaquant dans les bosses, puis en gagnant au sprint, vous vous dites, celui-là, il a de la moelle, je vais le sélectionner bientôt ? Disons que si je vous disais que je tenais compte que de la Marseillaise, du Grand Prix de la Marseillaise, c'est pas ce que j'ai dit, bien, hein. Mais il est clair que toutes les courses comptent et le tempérament des coureurs aussi. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Prenez le garçon qui est en ce moment en tête de peloton, si on peut encore appeler ça comme ça, puisque ça a quand même bien écrémé, c'est Bruno Armirail. Fidèle, il a peut-être aucune victoire chez les pros.
Mais David Gaudu, par exemple, sur ses deux victoires autour d'Espagne notamment, lui doit énormément. Donc ça fait partie des coureurs comme Aurélien Paré-Peintre qui sont parmi les fers de lance, même s'ils n'ont pas la renommée d'un Julien Alaphilippe ou d'un Thibaut Pinot ou d'autres. On rappelle qui est David Gaudu. On va dire que c'est le deuxième leader, entre guillemets, de Groupama FDJ. C'est le successeur annoncé de Thibaut Pinot, grimpeur. Il a souvent été le lieutenant de Thibaut Pinot dans la montagne et il est désormais quasiment le leader en montagne de cette équipe, hein, c'est ça, oui, Thomas. En tout cas, il a été un petit peu couvé, hein, dans le bon sens du terme, par son équipe Groupama FDJ, David Gaudu, qui, on rappelle, a gagné le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est quoi? C'est une course, c'est un mini Tour de France que a gagné notamment Tadej Pogacar, Egan Bernal et donc David Gaudu. Et puis il a été pendant longtemps au service de Thibaut Pinot. Depuis l'année dernière, il a les coups des franches. Les programmes de course diffèrent un petit peu entre Thibaut Pinot et David Gaudu. Thibaut Pinot, lui, a également peut-être pris plus de maturité, a revu un petit peu ses objectifs différemment. En tout cas, David Gaudu n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a été présenté d'ailleurs par son manager Marc Madiot récemment dans la presse comme un co-leader de Thibaut Pinot. Et voilà, on va dire que c'est un peu la carte pour le classement général, pour laisser un petit peu Thibaut Pinot tranquille avec un peu moins de pression, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le revoir sur le podium du Tour. Vous croyez un retour de Thibaut Pinot, justement, qui a été énormément blessé, malchanceux, à la fois touché psychologiquement et physiquement par son abandon à deux jours de la fin du Tour en 2019, alors qu'il aurait pu gagner le Tour, puis après il a eu des blessures au dos. Vous y croyez à son retour? Oui, je crois à son retour, parce que les qualités physiques il a et le mental, contrairement à ce qui se raconte ou quoi, dont je tiens très peu compte, il a un mental d'acier, ce garçon. Les blessures que certains qualifient d'imaginaires ou quoi, je... C'est bien de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux et sur son faible mental, entre guillemets. C'est bien de temps en temps de rétablir la vérité. Oui, après, la vérité, c'est la vérité du terrain. Voilà. Toujours est-il qu'il a quand même fait un Tour de France. Il est tombé à la première étape. Il a fait un Tour de France avec une fracture et donc ça a laissé des séquelles. Il a parcouru 3 semaines. Et puis l'année dernière, il est revenu au premier plan en fin d'année. Et s'il a décidé de venir aujourd'hui sur le Grand Prix de la Marseillaise, c'est parce qu'il a envie d'y faire quelque chose. Donc bien sûr qu'il est là. Il est là et bien là dans le peloton. Et ce peloton d'ailleurs qui comporte plus énormément d'éléments. Hein. Je pense que si on est à 50, c'est à peu près le maximum. Hein. Et c'est d'ailleurs Diego Ulissi là, sur la gauche de la route qui prend les choses en main. De l'équipe UAE, Dossard 37 si je ne dis pas de bêtises. Son leader c'était Matteo Trentin, l'un des gros bras du peloton actuel. Mais il a dû déclarer forfait ce matin. Apparemment le Covid, hein, on n'en est pas sûr, non. Mais serait passé par là. On parlait de Thibaut Pinot, vous savez son seul défaut quasiment, hein, Thibaut Pinot, Thomas. Mais il est supporter du PSG. Ah oui, oui, ça va. Et donc, je sais très bien où on se situe, donc c'est un terrain sur lequel je ne. Ça, c'est irrémédiable. Il a fait deuxième ici. Il avait dit si je gagne, je mettrai le maillot du PSG. Mais voilà, la course se refuse à lui. On verra, pourquoi pas, tout à l'heure, s'il peut gagner dans un petit groupe réduit au sprint. Mais ça sera quand même compliqué. En tout cas, on a du sport. Là, on voit Diego Ulissi. L'écart est descendu maintenant à 1 minute 10. Et pourtant, on a vu qu'en tête de course, les trois coureurs, ils n'étaient pas dans la gestion. Ils mettaient maintenant tout alors qu'il reste plus de 40 km. Diego Ulissi a fait un gros effort. Il a fait un gros changement de rythme. Et c'est Guillaume Martin qui est assez épatant depuis tout à l'heure, toujours avec sa position caractéristique. Leader Cofidis, hein, on le rappelle. On l'a dit tout à l'heure, Cofidis qui a des possibilités avec Brian Coquard. Et Benjamin Thomas au sprint. On ne sait pas s'ils ont franchi les bosses là l'année dernière, c'était le cas. Là, on a du mal à savoir s'ils étaient dans ce groupe de 30 à 40 coureurs derrière les trois échappés. On le voit le profil encore une fois de ce parcours. Thomas, ça monte, ça descend. Ouais. Pas beaucoup de moments de répit. Hein. Très honnêtement, c'est vrai qu'il faut, il faut être franc. On ne sait pas exactement qui compose la tête du peloton, mais vu les attaques qu'il y a eu, de la qualité des coureurs, de la trempe des coureurs qui ont mis des attaques successives. Hein. On a cité Bettiol, on a cité Ulissi notamment. Guillaume Martin, pour les coureurs qui ont une très belle pointe de vitesse et qui passent bien les bosses, il aura quand même fallu sacrément s'accrocher les bretelles. Donc on va faire un point là dans quelques instants après la descente technique, quand ça va se poser un petit peu, parce qu'il va y avoir obligatoirement un moment où ça va souffler un petit peu. On va pouvoir faire un point pour voir un peu les forces en présence. Ouais. 40 km de l'arrivée. On rappelle qu'il reste tout de même le Padoulier
5 km à 5% de moyenne après la Ciotat et le col de la Gineste, pas répertorié, mais ce sont tout de même 7 km à 3% de moyenne. Et en haut du Grand Prix de la Montagne de ce col de la Gineste resteront 10 km quasiment de descente pour arriver vous à 2 km de descente. Justement, il y en a un qui n'a pas l'air de forcément apprécier ça, hein, c'est le coureur de l'équipe Kern Pharma, le néerlandais Van Den Tuck, Danny, puisqu'il il avait fait l'effort pour basculer avec le trio de tête, et là on le voit très bien. C'est tout un art. Il a du mal. Voilà, les courses de vélo ne se gagnent pas seulement dans les montées, et il ne parvient pas à suivre Alexis Goujard, notamment dans la descente. Alors, il y a un descendeur hors norme dans le peloton. Il n'y en a pas qu'un, mais c'est par exemple Primoz Roglic, qui est très très fort parce qu'il a fait aussi du ski jeune. Donc, est-ce que ça aide forcément? Et parlez-nous un petit peu de ces trajectoires dans les descentes, Thomas, là, quand vous avez franchi un col et puis que vous pouvez prendre du temps, justement, au reste du peloton. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, il faut peut-être avoir des aptitudes. Il y a des coureurs pour qui les trajectoires sont innées. On parlait par exemple de Brian Cocard, c'est un très bon descendeur. D'une manière générale, les sprinteurs sont des très bons descendeurs. Après, il y a des coureurs qui sont à l'aise, plus ou moins. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la lucidité. Le coureur qui va basculer au sommet et qui ne sera pas à 100% aura beaucoup plus de maîtrise de son vélo. Il saura changer de braquet avant la courbe, il saura freiner au dernier moment. Et alors que le coureur qui est complètement à fond, il est moins lucide, et c'est souvent là qu'on va à la faute. Après, il y a des coureurs qui ont pu subir des chutes, ils perdent de la confiance. On peut avoir été très bon descendeur, avoir pris une bonne gamelle et ensuite avoir peur. Il se relève, non? Il se relève ou pas? Bah non, c'est bien malgré lui qu'il se relève. Là, on voit les deux coureurs, c'est un peu plus loin. Voilà. Il aimerait bien être avec eux. On l'a vu à la relance. J'ai l'impression qu'il va boire un bidon. Il va se mettre sur le côté. Non, on est un petit peu prématuré. En tout cas, il a la volonté de continuer, mais malgré tout, il a perdu énormément de temps dans la descente. Et c'est le premier à s'en vouloir, bien entendu, c'est pas volontaire, mais c'est difficile quand on est comme lui, qu'on a réussi à la patte. À la patte, ça veut dire quoi? Au niveau de la condition physique, à basculer avec les deux coureurs qui faisaient le forcing, et puis dans la descente en 3-4 km, vous avez perdu 20 secondes, comme c'est le cas au moment où on parle. Même s'il parvient à revenir sur les deux autres, c'est des efforts qu'il va payer, sachant que le peloton est maintenant à moins d'une minute alors qu'il reste plus de 38 km. On rappelle les deux hommes de tête, Nicolas Debeaumarchais, Dossard 173 de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, et donc le plus connu, le meilleur des deux coureurs, Alexis Goujard, Dossard 115 de l'équipe BNB Hôtel KTM. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Alexis Goujard, à juste titre, parce que son palmarès parle pour lui, mais et puis les amateurs de cyclisme, Nicolas Debeaumarchais. Ouais, parce qu'il est bien, il n'a pas l'air de. C'est un néo-professionnel. Ouais. Donc maintenant, il y a quand même 140 km dans les pattes, il est toujours devant, il y a la côte des Crêtes qui est passée, et donc il est toujours en tête de course, et on l'a vu à l'image, il n'est pas resté dans la roue, il est là depuis le départ en tête de course, donc coup de chapeau, c'est une bonne manière d'entamer la saison pour cette équipe Saint-Michel-Aubert 93. Un mot des conditions météo, Thomas, on peut le dire, c'est l'hiver, mais elles sont parfaites aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ce matin au départ, les coureurs avaient le sourire à ce niveau-là. On le voit à la tenue au départ, il y avait 7-8 degrés, là il doit faire 14 degrés, attention toutefois maintenant, je pense que le plus dur est passé. Mais mine de rien, il y a quand même des descentes à l'ombre dans cette partie où, si c'est exposé nord avec la végétation, quand ça gèle la nuit, eh bien la route est glissante. J'ai pas entendu qu'il y ait eu trop de casse à ce niveau-là, tant mieux. Et donc voilà, tout se passe bien. Et derrière les deux coureurs de tête, même s'il y en a encore intercalé, on voit qu'il y a un trio qui s'est dessiné. Un duo d'ailleurs maintenant. Alexis Goujard et Nicolas Debeaumarchais en tête. Et évidemment, l'écart fond à vue d'œil. C'est désormais, allez, on va le dire, Thomas, c'est mission impossible pour tous les deux. C'est mission impossible, mais après, à leur place, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Se relever en disant, bon, il ne reste plus que 40 secondes et 36 km, ça ne sert plus à rien. Ou alors, plutôt, de toute façon, on est là depuis le début, autant continuer jusqu'au bout, sachant que derrière, ce n'est pas un peloton de 130 coureurs groupés qui va venir. Et puis, n'oublions pas que ces coureurs ont des coéquipiers à l'arrière également. Donc, tant qu'ils ont quelqu'un devant, ça peut leur être utile. Mais c'est vrai qu'ils sont informés, Regardez Diego Ulissi qui est en contre juste derrière. Il a l'air, on le voit à son allure, il n'a pas la même allure que les deux coureurs au devant. On voit qu'il a fait moins d'efforts que s'il avait été en tête depuis le début. Donc
Oui, pour être franc, la gagne, les deux coureurs de tête le savent, la gagne va se jouer derrière, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Et en tout cas, ils s'entendent très bien, on s'entend souvent mieux à deux que lorsqu'on est 6 ou 7. Là, ils se serrent les coudes, c'est comme si c'était deux coureurs de la même équipe. La belle ville de La Ciotat, ce sont les Ciotadins, les habitants, ils sont 35 000. C'est situé au milieu d'un grand golfe nommé Golfe d'Amour. C'est entre Marseille et Toulon, à 33 km de Marseille et 40 de Toulon. La ville se trouve au cœur du parc des Calanques. Ces deux Calanques, que sont le Mugel et Figuerolles, se différencient de celles de Cassis pour leur couleur rouge aux formes typiques. Il y a là le bec de l'aigle et la tête de chien. Et puis ce qui est connu évidemment aussi à La Ciotat, hein, c'est aussi la ville de la pétanque, c'est la ville aussi de l'Eden Théâtre, inscrit au monument historique depuis 1996. Il a été construit à la fin du 19e siècle. Et l'Eden Théâtre est aujourd'hui la plus ancienne salle de cinéma en activité dans le monde, inscrite au Guinness World Record, bien évidemment, hein, à la fin du 19e siècle. Les frères Lumière, l'entrée en gare du train du La Ciotat, c'est très connu au niveau du cinéma. On passe cette page histoire et culture pour retrouver la course avec deux hommes en tête, Alexis Goujard et Nicolas Debeaumarchais, qui résistent à 35 km de l'arrivée, mais ils n'ont plus que 30 secondes d'avance sur les poursuivants. Le théorème de Robert Chapat qui dit qu'il faut avoir une minute pour 10 km d'avance, c'est un petit peu vieillot ou ça existe? C'est-à-dire, en gros, s'il vous reste 30 km, il vous faut au moins 3 minutes, sinon c'est pas possible. C'est quelque chose qui tenait tout à fait la route. Maintenant, le cyclisme a changé depuis maintenant au moins une 15-20 d'années. C'est le théorème de Chapat que j'ai entendu quand j'étais enfant. Il était vrai sur les courses à étapes comme sur le Tour de France, avec un coureur seul ou deux sur des étapes de 230-240 km. Des courses à étapes, sur des courses comme aujourd'hui, on peut pas en tenir compte. D'ailleurs, le scénario parle de lui-même. Regardez, c'est pas un scénario d'étape de grand tour. On a de la bagarre depuis le début et on a un duo, hein, on a parlé de Diego Ulissi, mais on a un jeune coureur qui l'accompagne. Il va falloir se familiariser avec ce nouveau maillot de la Total Energy, puisque c'est Sandy Dujardin qui a réussi à s'extraire avec Diego Ulissi, et c'est pas rien, parce que Diego Ulissi, autant il a Dossard l'expérience. 103. Voilà, c'est ça, Dossard 103. Une équipe que vous connaissez un petit peu, hein, on peut rappeler aux téléspectateurs, parce que c'est votre équipe, vous avez fait toute votre carrière avec Jean-René Bernaudot, alors sous plusieurs appellations. Hein, la dernière, c'était Total Direct Energy, maintenant c'est Total Energy. On va pas rappeler tous les sponsors des noms de votre équipe. Cette année, il y a Peter Sagan qui a rejoint l'équipe, le triple champion du monde, une recrue. De choix XXL pour redynamiser un petit peu l'équipe, parce que Jean-René Bernaudot disait que elle était en manque de résultats ces dernières années. Quand on a Peter Sagan qui vient dans votre équipe, est-ce que quelque part c'est un coup de boost? Ah bah j'espère. En tout cas, Peter Sagan, c'est un des seuls coureurs. Maintenant, peut-être que Julien Alaphilippe s'en rapproche. À l'époque, il y avait Marc Cavendish qui a fait son retour au premier plan l'an dernier. Pourquoi je vous donne ces trois coureurs-là? Parce que pour moi, c'est des coureurs, ce sont les seuls coureurs qui dépassent le cadre du vélo, qui sont des stars tout court et non pas des stars du vélo. Peter Sagan, c'est vrai que c'est pas le Peter Sagan d'il y a quelques années, mais il est loin d'être fini, il n'a pas 40 ans, Peter Sagan. Donc il va faire sa rentrée d'ailleurs autour des Alpes de Haute-Provence dans quelques temps. Il a eu quelques retards de préparation dû à ce Covid, comme ont été victimes beaucoup de coureurs. C'est la deuxième fois qu'il l'a. Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Oui, c'est ça, pardon, voilà, excusez-moi. Qui sera diffusé sur notre antenne. Bon, comme je suis un vieux, moi j'appelais ça Tour du Var à l'époque. C'est l'ancien nom du... Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est l'ancien nom du Tour du Var. Et aujourd'hui, on appelle ça le Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Il sera diffusé sur notre antenne dans une quinzaine de jours. On rappelle aussi que nous diffusons plusieurs étapes de la Coupe de France. C'est la première aujourd'hui et la dernière, vous la connaissez? C'est le Tour de Vendée. Il me semble que c'est pas très loin de la maison. Ouais, voilà. J'aurais moins de route que pour venir aujourd'hui. Voilà. Vous habitez donc en Vendée. Il y a même une rue Thomas Vauclair, vous allez dire, dans la ville, à Chantonnay. À Chantonnay. Vous vous sentez alsacien?
Vendéen, vous avez fait quand même une grosse incursion dans les îles. C'est quoi votre attache, votre terre ? Alors, je me présente en étant... je suis né en Alsace, j'ai grandi à Martinique et j'habite 79, en Vendée. Hein. Voilà, j'habite en Vendée depuis 25 ans. Donc, vous sentez Vendéen ? Oui, je me sens Vendéen, c'est vrai, puisque je me sens bien en Vendée. Et... Vous êtes né à Schiltigheim, hein, pour ceux qui... Les Alsaciens, qui... veulent avoir cette information. En 1979, on parlait de l'âge. Vous parliez de Valverde tout à l'heure. Il a gagné une étape au Challenge de Majorque, on en parlait tout à l'heure. Hier, à 41 ans, il a quasiment 10 mois de moins que vous. C'est remarquable. Bon, c'est un champion exceptionnel. Oui, c'est une longévité impressionnante. Après, Alejandro Valverde, c'est... tout simplement, il vit vélo et c'est son plaisir. Et donc... la plupart des coureurs dont j'ai fait partie, quand on arrête la carrière, on en a marre d'aller s'entraîner, on n'en peut plus, on veut passer à autre chose, on en a marre de faire des sacrifices. C'est ça pas y le y cas c'est d'aller rendre Valverde. C'est juste, c'est fini pour dire que c'est fini pour l'échapper à 33 km de l'arrivée. Ils sont repris par les hommes forts. Oui. Hein, on parlait de Ulissi, on parlait encore une fois de Sandy Dujardin. Il est battant, hein, ce Sandy Dujardin. Hein. On l'a vu au championnat de France de cyclocross faire un très bon départ. Hein. Donc c'est un crossman, on sait que c'est en vogue, hein, avec les Van Aert, les Van Der Poel. On sait que ou Tom Pidcock qui sont à la fois des as sur le cyclocross et sur la route. Qui fait aujourd'hui les championnats du monde de voilà, avec le décalage horaire, ça sera à 20h30 aujourd'hui, mais cyclocross n'est pas incompatible avec la route, au contraire. Et donc là, on se retrouve, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est terminé, ils se sont fait rejoindre, certes, mais malgré tout, c'est derrière eux, regardez. Pour l'échappée initiale. Ouais. Du début de course. Je ne les ai pas enterrés, Thomas, mais toujours est-il qu'ils étaient échappés, ils se sont fait rejoindre par deux hommes forts. À noter qu'il est revenu quand même, Van der Tuk, hein, alors oui. qu'on pensait que c'était terminé. Il s'est refait la cerise. Hein. Ouais, il a eu la chance d'être repris par Diego Ulissi et Sandy Dujardin. Et donc, c'est vrai qu'il a bien fait, il s'est servi de l'effort de ses coureurs. Et puis, il y a quelques équipes piégées, hein, mine de rien, parce qu'on se rapproche quand même de l'arrivée. Il ne reste que, entre guillemets, mais encore 32 km. Et derrière, eh bien, c'est la formation Trek-Segafredo qui prend les choses en main, qui avait été relativement discrète depuis le départ. Justement, on en a peu parlé, mais sur le papier, ils ont peut-être la plus grosse équipe sur le papier, quand même, l'équipe Trek-Segafredo, avec... pas n'importe qui quand même, quand on la regarde, cette équipe, elle est impressionnante, avec oui. Tony Galopin, Boke Mollema, on le dit tout à l'heure, qui a gagné des étapes tête, sur ouais. plusieurs tours, Mats Pedersen, champion du monde, et Tom Skuns. Ouais. Donc sur 7 coureurs, ils ont quand même 4 bonhommes et donc voilà, ils ont décidé de durcir la course. Ouais, exactement, là il y a Tom Skuns qui est actuellement en train de... Je ne sais pas si c'est de durcir, mais en tout cas, ils essayent de rétablir la situation. Parce que là, l'échappée commence à quand même devenir dangereuse avec des clients. Enfin, le gros client, hein, c'est Diego Ulissi devant. Hein, ouais. Là, le gros client, ouais. c'est Diego Ulissi. On sait très bien qu'il est sorti à la pédale. Et derrière, eh ben, après avoir dit jouer peut-être un petit peu au poker menteur, on prend ses responsabilités. C'est le cas de Tom Skuins, de Boke Mollema dans la roue. Ce qui nous fait dire quoi ? C'est que Tony Galopin, qui est en quatrième position, eh bien, c'est lui le coureur protégé de cette formation. Sinon, Boke Mollema et Tom Skuins ne seraient pas à l'ouvrage actuellement. On l'a interrogé, Tony Galopin, ce matin. Et si on, moi je sais pas, si on l'écoutait, c'est pas n'importe qui, hein, Tony Galopin. On rappelle qu'il a été maillot jaune sur le Tour de France. Vainqueur d'étape. Hein, autour d'Italie, Autour de France. C'est un sérieux prétendant, un sérieux coureur qui lui aussi a changé d'équipe. Il a eu un petit coup de mou il y a quelques temps, mais c'était un grand coureur. On va l'écouter. Il était interrogé par Fabien Madigou au départ ce matin. De sa leader, je pense que c'est l'organisation qui l'a mis comme ça. Non, c'est vrai que c'est une course que je connais bien. Après, de là à dire que j'ai des ambitions, c'est compliqué. Après, je pense que l'équipe a des ambitions. On est capable de jouer un peu sur tous les tableaux. On a un très bon sprinter, on a des coureurs capables de jouer dans la montagne. Donc voilà, c'est vrai que si on pouvait gagner aujourd'hui, on est preneur. Voilà, on est preneur, évidemment. Première course, première victoire, ça soude une équipe, évidemment. Quand vous êtes directeur sportif, le soir, vous pouvez boire une bière. Hein.
Première course, première victoire. En tout cas, il est loin le temps où on disait gagner la Marseillaise. Mais c'était un petit peu porter la poisse le reste de l'année en concernant alors le cours. Là, vous me l'entendez la perche alors qu'on ne l'avait pas préparé. Hein, c'est Marc Madiot qui a lancé cette formule il y a quelques années, qui se vérifie pas forcément, qui disait qu'il fallait être en forme. De ce que j'ai compris, ça viendrait même de Cyril Guimard. Ouais, alors, Cyril Guimard et Marc Madiot, bon, voilà, qui disait il faut être en forme, mais peut-être pas la gagner, parce que celui qui gagne, il fait une année maudite. Il y a eu des coureurs qui ont gagné la Marseillaise, voilà, qui se sont cassés la clavicule après, oui, c'est vrai. D'accord. Mais il y a aussi des coureurs qui ont... Je ne suis pas persuadé qu'il y a deux ans qu'il ait fait une mauvaise... Mais bon, on a vu dans la presse quotidienne que Marc Madiot le reconnaît lui-même, que c'est... Mais après, le vélo, c'est un sport quand même qui a un côté traditionnel, et on aime bien, malgré un petit peu de superstition. Vous voyez des coureurs qui mettent le dossard 13 lorsqu'ils l'ont, ils l'agrafent à l'envers, des coureurs qui ont leurs petites habitudes, donc ça fait partie de l'histoire du vélo, et moi ça me plaît bien en tout cas. Mais ceci dit, les coureurs qui sont devant là, je vous garantis qu'ils ne sont pas en train de penser à la poisse. S'ils peuvent aller gagner, ils vont aller gagner. Et puis les superstitions aussi, il y a le dossard 51, soi-disant, avec le dossard 51, vous gagnez le tour parce qu'il y a des Hinault, des Anquetil qui ont gagné le tour avec le dossard 51. Mais bon, si vous n'avez pas les jambes pour gagner le tour, vous avez beau avoir le 51, hein, Thomas. Oui, non, c'est sûr que. Bon, après, c'est un peu comme les numéros dans le foot. Quand ça marche bien, après, on se dit ah oui, c'est le numéro qui m'a porté chance, mais après, il faut quand même appuyer sur les pédales. Le dossard 51, si je dis pas de bêtises, c'est Ino, c'est Lemon, ouais. Voilà, donc bon, ça classe un petit peu. Il suffit pas d'avoir le numéro, hein, ça c'est clair. Merckx l'a eu aussi, donc voilà. Donc on parlait de ce Diego Ulissi, hein, on est d'accord, c'est la pointure de ceux qui sont devant. Ils ont 56 secondes, ils résistent. Hein, là, surtout là, c'est une pointure, mais moi ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont il est sorti, sachant que c'est un coureur surveillé, c'est pas un second couteau qui attaque, Diego Ulissi qui attaque dans la route des crêtes. Il est surveillé, il a quand même réussi à se défaire un petit peu de tout le monde et il a bouché l'écart de manière assez conséquente, même s'il a eu une aide de Sandy Dujardin, mais c'est quand même lui qui faisait la grosse partie du travail. Et je pense que derrière, on voit différentes équipes, l'équipe Cofidis qui vient donner un coup de main, l'équipe AG2R Citroën Team. On sent le danger, ça peut se jouer maintenant alors qu'il y a des coureurs en difficulté devant. Allez, pour classer le bonhomme, Thomas, je vous propose une colle. Combien d'étapes Diego Ulissi sur le Tour d'Italie? 6 étapes. 8, vous êtes très proche, bravo. J'ai fait semblant de répondre de manière certaine, je ne savais pas du tout. Oui, mais ça veut dire en tout cas 8 étapes. Oui, 8 étapes. Quand vous gagnez 8 étapes, vous êtes italien, vous gagnez 8 étapes chez vous, ça classe un bonhomme. Hein. Oui. 2 en 2020, donc c'est pas il y a 8 ans. Beaucoup de places d'honneur. Diego Ulissi, il a une qualité, c'est qu'il est très rapide au sprint, il est puncher, il est capable de s'accrocher dans les montées difficiles. Donc et il peut gagner aujourd'hui. C'est un parcours qui lui convient totalement et les adversaires le savent. Donc il y a un petit peu le feu à la maison et le feu à la baraque même. Et donc dans le peloton, c'est pour ça qu'on voit autant d'équipes venir prêter main forte à l'équipe Trek-Segafredo qui avait mis en route. Et là, on voit même Philippe Gilbert également qui s'est replacé, qui est bien placé. On rappelle, champion devant, du monde, devant, le plus gros CV du peloton. On a Alexis Goujard également. Il paye ses efforts. Voilà. Et tout simplement, qui est-ce qui s'en va seul? Celui dont on parlait. Et oui, mais là, à un moment donné, connaître le vélo, ça fait du bien. Hein. On l'a dit tout de suite, surtout vous, Thomas, que voilà, il avait une pancarte dans le dos. Vous l'avez dit, on le sait, il est parti. Alors qu'on le connaît, c'est pas un néo-pro, il est parti à la pédale. Jeune. Oui, il est parti à la pédale, c'est-à-dire avec les forces du moment, il était le plus fort. Il est malin également. Regardez Alberto Bettiol, par exemple, ou d'autres coureurs. Dès le pied de la route des crêtes, ils ont attaqué un petit peu à tout va. Donc c'est toujours facile de le dire de la manière où on est dans notre poste sur la ligne d'arrivée. Mais malgré tout, quand est-ce qu'il a attaqué? C'était au moment du replat, après les moments difficiles, après les pourcentages les plus durs. Quand tout le monde se dit la partie dure est passée, on va pouvoir souffler un petit peu, c'est là qu'il a attaqué. Par contre, il est épatant parce qu'il a rattrapé tout le monde, il a lâché tout le monde. Et là derrière, ils s'y mettent à plusieurs et j'ai pas l'impression qu'ils reprennent beaucoup de terrain puisqu'on est toujours aux alentours des 51 secondes. Et là où il est fort, c'est qu'il a une petite équipe entre guillemets, puisqu'ils ne sont que 5, on l'a dit en début de retransmission. Il y a Matteo Trentin, le leader, qui dans la nuit ou dans la matinée a dû déclarer forfait, comme Alveo Ivo Emmanuel Oliveira qui s'est abstenu au départ. Ils ne sont que 5, c'est vraiment lui le leader désormais, et à la pédale tout seul, il n'était pas protégé, il est parti alors qu'il a une équipe réduite de 5 coureurs. Oui, alors c'est paradoxal, mais quand vous avez un coureur comme Matteo Trentin qui est au départ, c'est un sprinter qui passe très bien les bosses, donc il aurait pu être totalement favori. Malgré tout, une fois qu'il est plus au départ, qu'est-ce qui reste à dire? Eh bien écoute Diego, t'as les coulées franches, on n'a pas de carte en cas d'arrivée au sprint. Et je me rappelle
qu'on avait vu son équipier Vegard Langen durcir la course alors que ça bouge derrière. Et c'est pas n'importe qui part, non ? C'est Guillaume Martin, tout simplement. Voilà, hein. Guillaume Martin, c'est l'un des meilleurs coureurs français. 9e du tour, hein, si je ne dis pas de bêtises. Thomas, c'est un coureur qui a fait deux fois dans les 10 premiers de grands tours, que ce soit la Vuelta et le Tour de France. C'est un remarquable coureur. Alors, il lui manque, on est d'accord, on ne va pas se mentir, la giclette qu'a peut-être Julien Alaphilippe pour aller claquer des victoires. Mais c'est un très très grand grimpeur, c'est un très très bon coureur. De toute façon, vous venez de le dire, hein, classement général sur les deux derniers Tours de France, premier français, mais pas seulement premier français, on était en 30e, hein, en étant vraiment dans les tout meilleurs. Troisième à un moment donné. Exactement, deuxième même du général. Il s'est replacé l'année dernière, en 2020, il y a deux ans, il était pendant une semaine dans les trois premiers du général. L'année dernière, il s'était replacé en deuxième position, tout en clamant et en le pensant viser les étapes. Mais c'est un coureur qui est consciencieux, et s'il est à ce niveau de forme là alors que ses objectifs sont plus lointains et qu'aujourd'hui on le voit à l'attaque dans une partie si sélective, bien c'est qu'il a passé un bon hiver, et en tout cas on est content pour lui. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont moins contents, parce que quand je vois le nombre de coureurs au départ, qui reste encore 30 km et qu'il n'y a plus que 40 coureurs dans le peloton, il y en a qui auront passé une sale journée. Mais je note quand même, on n'en a pas énormément parlé, une bonne présence des coureurs de l'équipe Groupama FDJ, mais également de l'équipe AG2R Citroën Team. Comment vous le trouvez, Thibaut Pinot? On l'a vu, il est dans le groupe, il a l'air plutôt pas mal. Oui, il a... Ça se voit sur son visage, on l'a vu tout à l'heure. Alors je ne sais pas si on l'a vu à la caméra exactement sur l'écran, mais en tout cas on a pu voir qu'il avait le visage relativement serein sur ce Grand Prix de la Marseillaise. Il n'a rien à perdre, Thibaut Pinot. Il a avancé un petit peu sa reprise. Eh bien si ça marche, ça marche. Et puis il a surtout d'autres coureurs dans son équipe aussi. Donc voilà, en tout cas il m'a fait une très bonne impression, et on a côté français Guillaume Martin qui a créé une sacrée différence. Il est dans une descente où il faut pédaler, on n'est pas dans une descente comme tout à l'heure où le pauvre néerlandais avait du mal à suivre les deux autres. Là il faut appuyer sur les pédales, les trajectoires sont pas compliquées, tout seul c'est pas forcément la meilleure affaire, mais on choisit pas toujours quand on attaque. Ceux qui peuvent suivre, ils accompagnent. Là en l'occurrence il n'y a pas grand monde qui pouvait suivre. Alors on l'a dit et redit, on est dans une première course de la saison. Peut-être que c'est pas forcément pour gagner, Guillaume Martin, c'est pour voir où il en est physiquement, pour se dire ben voilà, je suis pas mal, il reste 28 km, on va voir ce que ça donne. Vous êtes directeur sportif, on le disait tout à l'heure avec Bétiol. Alors peut-être l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Ne te découvre pas trop, mais en tout cas ça veut dire qu'il est pas mal, quoi. Après il y a une chose, je pense que si on le voit, hein, on rappelle qu'on a des vues d'hélicoptère, c'est difficile d'identifier la totalité des coureurs présents. Je ne suis pas persuadé que Brian Coquard soit encore présent dans les 40 coureurs, parce que sinon, vu la pointe de vitesse de Brian Coquard, peut-être que Guillaume Martin n'aurait pas forcément eu l'autorisation, même si c'est un coureur qui des fois l'apprend et qui décide lui-même d'attaquer et de faire le ménage. Parce que Brian Coquard, on le rappelle, c'est un coureur qui est largement capable de s'imposer. Il est dans les tout meilleurs sprinteurs qui sont engagés aujourd'hui. Donc il se fait plaisir, il n'a rien à perdre. Par contre oui, il se rassure sur sa condition, et s'il peut aller chercher la victoire en plus, on note quand même que l'écart est, il a perdu 23 secondes, hein. Il est passé de 51 à 28 secondes, et derrière on reste organisé, on ne perd pas de vue non plus que voilà, Guillaume Martin était peut-être un petit peu esselé, donc il tente le coup lui en attaquant. Mais si on regarde cette vue d'hélicoptère, on voit quand même qu'il y a des équipes qui sont fortement représentées, et il y a encore moyen de s'organiser, notamment avec la montée de la Ginesse qui précédera l'arrivée. Le peloton, quand même, il est plus compact que tout à l'heure. Hein. Il y a des coureurs qui étaient distancés, qui sont revenus au bénéfice de la descente. Hein. On est d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut toujours être vigilant, puisque c'est vrai que des fois, dans les montées, on a toujours l'impression que c'est éparpillé de partout, et ensuite à la faveur de quelques replats, il y a des coureurs qui s'organisent devant, ça souffle un petit peu, on sait qu'il y a un tel qui est de son équipe qui est juste derrière, donc on passe un petit relais de moins, ça favorise le regroupement. Donc oui, c'est un petit peu ça s'est reformé. Diego Ulissi en tout cas est très fort, ça c'est sûr, mais il est loin d'avoir la partie gagnée. D'ailleurs on voit qu'il est très prudent, hein, dans les descentes. Là, tout à l'heure je vous parlais des descentes à l'ombre, c'est le cas de là où se trouve le coureur de tête actuellement. Il faut surtout pas se laisser griser, parce que lorsqu'on est sous le soleil à 14 degrés pendant des dizaines de kilomètres et qu'on fait un passage de 2-3 km à l'ombre avec des routes presque gelées, on voit, hein, il y a beaucoup de prudence, et il a pas envie de partir à la faute, hein. Il vire sur des œufs, comme on dit.
On parlait de début de saison. Combien de kilomètres dans les pattes pour attaquer à peu près avant fin janvier? Il faut avoir fait combien de kilomètres avant, Thomas? Environ une fourchette. Hein. Ouais, une fourchette. Alors, il n'y a pas vraiment de règles parce qu'il y a les kilomètres, mais il y a aussi de quelle qualité, de quelle manière on les a fait. Il y a des kilomètres. Si on les parcourt, j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai stressé un petit peu pour Guillaume là dans cette courbe à gauche. Si on les accumule en roulant à 25 km/h, vous pouvez faire 3000 km, ça en vaut pas 1500, vous travaillez comme il faut. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les coureurs n'arrivent plus au Grand Prix de la Marseillaise ou dans les prochaines courses avec moins de plusieurs kilomètres dans les jambes. Alors qu'il y a une époque pas si lointaine, on pouvait se présenter au départ de la Marseillaise avec 2000, 2500 km en se disant ça me servira pour la suite. Aujourd'hui, chaque course est importante. Le Grand Prix de la Marseillaise, ça a une très grande valeur. Et on rappelle que c'est une course qui attribue des points pour le classement mondial. Et à la fin de l'année, il y a un classement mondial qui sera établi sur les trois dernières années et qui comptera pour donner les 18 équipes qui seront en première division. Et on est un petit peu comme dans le foot. Hein. Celle qui joue le maintien, c'est pas la 37e, la 38e journée. Et souvent qu'on gagne les 3 points ou pas, c'est dès les premières journées de la saison. Et c'est le cas aujourd'hui. La situation de la course. Un homme en tête, Diego Ulissi de l'équipe UAE. Il a le dossard numéro 37. Il a 26 secondes d'avance sur Guillaume Martin. Normalement Guillaume Martin, hein, si ouais, j'ai suivi, parce que on parlait tout à l'heure de Vanden Tuck et de Sandy Dujardin. Je pense qu'il n'a pas aimé la descente, il a dû se faire oublier. Hein, là, on a un autre Français, hein, il faudra s'habituer à le voir chez UAE Team Emirates, c'est Alexis Brunel qui est le dossard 33. Il faut s'habituer, c'est un ancien protégé de Marc Madiot, très fort contre la montre, un coureur très costaud et donc qui l'a fait l'effort justement pour revenir, pour neutraliser Guillaume Martin. Ce qui est exceptionnel quand même, c'est que de Beaumarchais, Nicolas, il est toujours là. L'ami qui est de l'échappée initiale quasiment depuis le départ, il est encore devant. C'est assez exceptionnel. Est-ce que vous le connaissez, ce coureur de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, Thomas? Écoutez, il est passé par le SCO Dijon, hein, c'est sa première année pro, mais il faut rappeler qu'en France, on a la chance d'être un pays où la première division amateur, la DN1, dont fait partie le SCO Dijon notamment, entre autres équipes, dont laquelle est issu Nicolas de Beaumarchais, ils évoluent déjà sur des courses, notamment des classes 2. Ce qu'on appelle des classes 2, c'est des courses open. Ils côtoient les professionnels sur d'autres épreuves. Donc oui, cette année au pro, mais n'ayons pas peur des mots, c'est plutôt une belle surprise de le voir à cet endroit-là parce que ça monte, ça descend, il est toujours là. Ils étaient là les deux hommes quand même en chasse-patate. Ils sont repris en fait. Il y a Alexis Goujard qui est là. Il me semble-t-il, on parlait de Sandy Dujardin et de Van den Tuck. Ils sont faut serrer les calpis hein, parce que là, Guillaume Martin, il n'a pas l'intention de les emmener. Il est passé plutôt en injection. Hein, quand vous êtes directeur sportif de l'équipe UAE, là, je peux vous dire que vous frisez les moustaches parce que pourquoi? Vous avez votre leader, vous n'avez que 5 coureurs. Hein, vous avez Matteo Trentin ce matin, il vous a dit bon, je plie bagage, j'ai peut-être le Covid. Vous avez donc Diego Ulissi, il est en tête. Et qui a derrière, dans le groupe des poursuivants, qui, quelque part, maintient l'écart ou essaye de le réduire? C'est un coéquipier de Diego Ulissi, vous venez de le citer, c'est Alexis Brunel. Quand on est directeur sportif, là, on se dit les gars, ils bossent bien. Oui, c'est clair. Là, on voit Alexis Brunel, alors on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il fait à faire des efforts alors qu'il est un coureur devant? Il essaye simplement c'est entre guillemets, hein, il essaye de neutraliser justement les contre-offensives. Là il vient de reprendre Guillaume Martin, bien sûr il va pas passer de relais, donc il joue la carte de son leader qui est l'avant. Mais oui, je vous donne totalement raison, je pense que la journée a mal commencé avec 2 coureurs sur 7 non partants, et là sur les 6 coureurs en tête de course, le directeur sportif qui est Fabrizio Guidi en dispose encore de 2, dont un jeune 5 français. Ils sont 5. Donc oui, c'est, ils jouent sur du velours, mais c'est pas pour autant que ça marchera. Qu'ils vont gagner, j'ai pas dit ça. Hein. Mais en tout cas, les 3 quarts de course sont parfaits. Les 3 premiers quarts de course sont parfaits, sachant que c'est le dernier qui compte. Mais
J'en reviens quand même là à l'attitude de Diego Ulissi. Il se retourne très peu, il m'a l'air très serein. Je pense que physiquement on peut le voir, hein, c'est un peu l'ancienne école, mais on a vu un petit peu de profil tout à l'heure. Peut-être qu'il a il allait, comme on dit à l'ancienne, un petit ou deux petits kilos de trop, mais on est encore fin janvier, ça lui empêchera surtout pas de faire mouche. Il se retourne quand même là, il suffit que je le dise pour qu'il regarde. Ouais, alors, il est informé qu'il a un coéquipier dans le groupe de contre, qui sera sans doute utile pour lui. Oui, Alexis Brunel. Alors vous savez quoi, on va trahir un secret, Thomas. Nous on fait des petits bonbons au départ de la course, on en a passé quelques-uns. Et on interview quelques coureurs. Et figurez-vous qu'on a choisi un gros bras. On en a choisi un. Vous savez qui ? Diego Ulissi. Alors, il n'est pas extraordinaire. Il n'a pas parlé vraiment de stratégie de course ou quoi. Mais il s'est arrêté quelques secondes auprès de Fabien Madigou. Et il disait en gros, hein, en quelques mots, hein, qu'il parlait dans un anglais, on va dire, extrêmement moyen, qu'il était en forme et que, pourquoi pas, que le parcours le séduisait et que c'était à la fois pour des grimpeurs qui, voilà, c'est pas des premières catégories, mais des petits grimpeurs et le sprint au départ et le sprint à l'arrivée, eh bien, il était plutôt optimiste pour sa journée. Donc voilà, il a confirmé en quelque sorte ses dires. Et puis là, on voit hein, son attitude, c'est pas qu'il est complètement fatigué. Hein. On a vu qu'il s'est relevé, il s'est détendu un petit peu les reins. Comme on dit, il a fait 2-3 étirements et il est totalement informé de la situation de course. Les oreillettes, il sait que, les oreillettes. C'est même sûr. Ou alors, même si son oreillette ne marchait pas, ce que je pense pas, on voit qu'il l'a très bien à l'oreille. Il s'est retourné, il voit le groupe, il voit qu'il y a du Guillaume Martin, il voit qu'il y a des grosses équipes, il voit surtout qu'il a un équipier. Donc il reste encore plus de 20 km. On n'est pas loin du début de l'ascension de la Gineste. On rappelle, 7 km environ à 3%, ce n'est pas énorme, mais ça va faire mal aux jambes encore une fois parce que les coureurs se sont avalés près de 150 km. Derrière, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a le peloton. Alexis Goujard est revenu. Non, il était là, hein, il était intercalé. Voilà. C'est vrai que n'ayons pas peur des mots, on a eu un petit peu de mal à s'y retrouver tout à l'heure au sommet parce que il y en avait un peu de partout, donc il fallait s'y retrouver. Mais Alexis Goujard, c'est insolite. C'est vrai que Nicolas de Beaumarchais nous a épaté, mais Alexis Goujard, ça reste insolite comme on l'a expliqué. En tout cas, il y en a un qui est intenable, c'est Guillaume Martin, parce que lui, il n'a pas du tout l'intention d'emmener Diego Ulissi ou quelqu'un d'autre. Et là, il demande justement à l'oreillette, on voit, hein, quand vous avez un coureur comme ça qui appuie au niveau de l'épaule et qui met la tête sur le côté, c'est qu'il vient prendre des informations auprès de ses directeurs sportifs. Et sans doute demande-t-il à Alain Deleuil, est-ce que Brian Coquart est dans le groupe de contre, est-ce que j'ai les coulées franches, ou alors est-ce qu'il faut que j'attende et qu'on a une chance avec Brian Coquart en cas d'arrivée groupée entre guillemets, parce qu'on a vu le peloton qui s'organisait avec différentes équipes, et celle qui travaille le plus, j'ai l'impression, c'est l'équipe AG2R Citroën Team. On rappelle que Alexis Goujard, le leader, on en parlait tout à l'heure, c'est Jonathan Hivert qui s'est imposé ici en 2010. Ouais, c'est un homme de début de saison. Ouais, et il y a aussi Franck Bonamour, c'est quelqu'un que vous suivez, qui a été super combatif du Tour l'an passé. Il s'est révélé en 2021, Franck Bonamour, hein, dans cette équipe BNB Hotel KTM. Ouais, clairement, il s'est révélé. Hein, Franck Bonamour, il a épaté du début de l'année sur le Tour de France, certes, mais toute l'année il a été épatant, et c'est vrai que c'est un coureur qui par le passé a eu des soucis de santé et des soucis de pour pouvoir être au plus haut niveau, et son manager Jérôme Pinault l'an dernier, je lui dis mais il est épatant, et il m'avait répondu non, il n'est pas épatant, il est juste au niveau auquel il devait être s'il n'avait pas eu de soucis. Il y en a un autre qui est épatant, hein, qui est en tête de peloton et pas que depuis l'an dernier, c'est Geoffrey Bouchard qui a été meilleur grimpeur de la Vuelta. Alors c'est pas un coureur qui a 20 ans, mais en tout cas il est en tête du Grand Prix de la Marseillaise, et il est en train de bosser pour ses leaders, hein. En tête du Grand Prix, disons du peloton de contre-attaquants. Mais c'est remonté à 40 secondes quand même. Ouais, c'est remonté à 40 secondes. Bon, ça va être difficile quand même, Thomas. Votre pronostic quand même, alors que les coureurs sortent de Carnoux en Provence. Très franchement, il y a quand même la Gineste qui arrive.
je suis incapable de faire un pronostic, je ne suis pas dans, la jambe, dans les jambes des coureurs qui composent le peloton. Pour la tête de course, on a vu hein, qui est-ce qui était en forme, on a vu un Guillaume Martin intenable. Derrière, il y a encore plusieurs coureurs de la Groupama FDJ. La Gineste, c'est pas un petit morceau. Il y a encore un bon bout de plat pour rallier l'arrivée. On voit devant qu'il y a peut-être une petite mésentente. Il y a Diego Ulissi qui se retourne. Après, quand vous faites partie de ce groupe de 5 coureurs à l'avant, vous pouvez aussi vous dire finalement, il y a ce coureur, Diego Ulissi, qui est fort, qui a un équipier. Pourquoi moi je devrais les aider? Ils sont deux. La loi du surnombre, allez-y les gars, travaillez. Moi je tire les marrons du feu. Ouais. Après, vous êtes à 18 km de l'arrivée. Vous êtes dans un groupe de 5-6. Bon, c'est la première course. On a envie d'y aller, puis on n'a pas de garantie que le coéquipier derrière dans le peloton puisse faire mousse aussi. Je suis quand même dans les 6 meilleurs à 18 bornes de l'arrivée. Si je peux quand même la claquer ou quoi, j'y vais. Vous voulez dire qu'il y a une petite part d'égoïsme? On pense un petit peu à soi et c'est bien normal. Oui, j'ai envie de penser à ça. On ne joue pas un tour avec un classement, ce n'est pas une course à étapes. Donc s'ils veulent revenir derrière, ils reviennent. Pour aller dans votre sens, très sincèrement, je disais que toutes les courses ont de l'importance, mais c'est quand même la première de l'année et on essaye de ne pas mettre trop de stress aux coureurs. On ne joue pas la survie sur le Grand Prix de la Marseillaise. Si on peut aller le gagner, bien sûr qu'on le fait, mais c'est aussi l'occasion de se dire il fait beau, c'est la reprise, on prend nos repères et c'est un petit peu la chance à chacun, parce que c'est vrai qu'il y aura d'autres courses où il y a des coureurs qui ont de la liberté aujourd'hui qui là n'en auront pas du tout et devront travailler pour leur leader désigné au départ. Et puis après ça va s'enchaîner avec dans notre région l'étoile de Bessèges, une course à étapes qui partira mercredi dans le Gard jusqu'à dimanche, puis le tour de la Provence la semaine d'après. Une course d'un jour, ça y est, ils y sont dans la Gineste. Ouais. C'est le début de la route là qui part de Cassis et qui revient sur Marseille. Je le disais tout à l'heure, 7,6 kilomètres à 3%. Ouais, et puis c'est le début qui est assez raide. C'est vraiment les premiers kilomètres, le premier kilomètre et demi, les deux premiers kilomètres de ce col de la Gineste qui font mal. On arrive d'une partie où on pouvait mettre beaucoup de braquets et là ça bute les cannes et on a un Guillaume Martin qui est intenable. On pourra pas dire qu'il a pas essayé. Il sait qu'il a pas la pointe de vitesse qui lui permettrait de gagner. C'est ce qu'on disait. Il est libéré et il se fait plaisir. On voit son visage qu'il est. Et Thomas, s'il attend le sprint Diego Ulissi, il va lui faire comprendre que a priori ça va être compliqué. Donc lui il a son but, c'est pourquoi pas, il reste 17 bornes, j'essaye d'y aller, pourquoi pas, et de décramponner Diego Ulissi. Et puis là en l'occurrence c'est pas Diego Ulissi qui est dans sa roue. On a un duo français à l'avant. Guillaume Martin a cette caractéristique, quand il attaque, il n'attend pas 3, 4, 5, 600 mètres pour voir qui est ce qui est derrière lui. Il fait l'effort et après il fait les comptes. Et là, c'est plutôt très bien joué. Parce que c'est du panache. Et surtout qu'il a piégé Diego Ulissi, peut-être malgré lui, parce que Alexis Brunel a suivi Guillaume Martin et du coup, Diego Ulissi ne peut plus bouger derrière au risque de ramener un adversaire. On va peut-être lui dire vas-y, parce qu'Alexis Brunel, il a du mal. On regarde l'oreillette. Là, patron, j'ai plus les jambes. Guillaume Martin, il va trop vite pour moi. Diego, s'il te plaît, reviens, Diego. Parce que là, non, je peux pas suivre Guillaume Martin. On l'a dit et redit. Il semble serein. Il est impressionnant. Oui, il est impressionnant. Après, c'est vrai que c'est pas un coureur. On le voit sur le Tour de France. C'est pas un coureur qui a un faciès qui trahit énormément de souffrance. Mais ça fait plusieurs dizaines de kilomètres, sans exagérer, qu'il est à l'ouvrage, qu'il attaque de manière très tranchante. Après, coup de chapeau, Alexis Brunel, c'est pas un grimpeur. Aujourd'hui, il y a 3000 mètres de dénivelé. De le retrouver à ce moment-là de la course, être encore dans les tout meilleurs, on peut dire oui qu'il a réussi et tenté de suivre Guillaume Martin, mais qu'il n'y est pas parvenu. Mais n'empêche qu'il est là dans le final de ce Grand Prix la Marseillaise pour épauler son leader. Alors, pour ceux qui pensent devant leur télé que nous survendons Guillaume Martin, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne 2020. Troisième du Mont Ventoux dénivelé challenge, ça veut dire qu'évidemment c'est un grimpeur. Troisième du Dauphiné, et puis l'an passé, sixième de Paris-Nice, huitième du Tour de France, neuvième du Tour d'Espagne. Alors là, c'est un coureur mondial, quoi. Et là, il y a un régional de l'étape qui est en tête de peloton. Je vous laisse citer son nom, c'est Maxime. Maxime, c'est une course qui lui tient à cœur. Maxime Bouet, voilà. Là, encore une fois, les petits bonbons, Maxime Bouet, nous.
Ah, fallait pas passer à côté. On l'a interviewé, vous pensez bien. Il est vraiment le régional de l'étape. Et il va nous dire pourquoi cette course, évidemment, lui tient à cœur. Il a été deuxième en 2017, hein, quand même. 8 Tours de France, Maxime Bouet. On l'écoute. J'habite à 1 km du départ ici. Voilà, c'est des routes que je connais par cœur devant ma famille, mes amis, mes supporters. Il y a toujours un petit frisson, un petit peu de stress par rapport à eux, son équipe, pour essayer de bien faire pour eux aussi. Justement, cette course, ces routes, vous les connaissez par cœur. Expliquez-nous un petit peu en quoi c'est si compliqué que ça, ce Grand Prix de la Marseillaise. C'est une course qui est très physique. C'est une succession de montées, descentes, de virages. Pour moi, c'est un mix de toutes les qualités cyclistes qu'il faut. Il faut grimper, il faut bien descendre, il faut frotter, il faut être malin parce qu'il faut toujours être bien placé. Il faut aller vite parce que c'est très rare qu'un coureur arrive tout seul au stade Vélodrome. Donc pour moi, ça représente un peu un coureur complet qui peut s'imposer au Grand Prix de la Marseillaise. Un coureur complet, Maxime Bouet, Team Arkea, Samsic. En tout cas, il montre le maillot, il est là. Et qu'est-ce qui se passe, Thomas Cosnefroy Boulès ? Cosnefroy qui attaque. Eh oui, Benoît Cosnefroy, vainqueur ici même en 2020. On l'a dit, hein, c'est un cador du peloton. Il y a 47 secondes, donc il faut bouger parce qu'il reste 15 km. Et en haut de la gymnaste, il n'y a quasiment que de la descente, hein, Thomas. Donc il faut réduire, il se fait mal, hein, il faut réduire l'écart. Et il en met une. Ouais, mais non, il a attaqué de manière très sèche sur la droite de la route. On voit Thibaut Pinot qui fait un peu la grimace comme Benoît Cosnefroy, mais malgré tout qui est là et bien là. Attention tout de même, c'est vrai qu'il y a la descente de la Ginesse qui fait pas loin de 6 km. Certes, il y a un bout de plat après, mais après quand on sent la victoire, on a plus mal aux jambes. Donc là, on s'approche dangereusement du sommet. Hein, et c'est vous disiez que ça montait, hein. Vous disiez que ça montait, c'est pas de la plaisanterie, hein, ce col de la Ginesse, notamment au début. On voit la grimace de Benoît Cosnefroy. Non, mais regardez Tom Skuins, juste le Letton, le champion de Lettonie, juste derrière. Il n'est pas là. Et on voit Thibaut Pinot juste derrière également, quatrième position. Ça ferraille. Hein, ça ferraille pour de bon. Hein, et avec des leaders, des grands coureurs mondiaux. Hein, c'est vraiment. Ils n'ont pas fait la course pour dire on va faire une petite mise en jambe. On vient pas juste mettre le dossard. Hein, là, on vient pour faire la course. Et surtout qu'il reste 15 km, il y a 40 secondes. Et sur Guillaume Martin, ça a l'air de rien, mais qui a maintenant une assistance, une voiture d'assistance neutre derrière lui. Et ça, pour un coureur, ça fait du bien à la tête. Parce que lorsqu'on parvient à s'échapper, quand on a un véhicule d'assistance qui vient se mettre derrière, ça veut dire qu'on a créé un écart. 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Au moins. Et donc, ça, je vais pas dire que ça sent bon pour Guillaume Martin, mais il peut compter aussi sur un équipier qui vient contrôler l'attaque aussi tranchante était-elle de Benoît Cosnefroy. Et bien, il a un équipier. Il a cinq coéquipiers. Il a donc deux sprinteurs, hein, que sont Brian Coquart et Benjamin Thomas. Le jeune Rochas qui est là. Et il a Rémi Rochas. Il a Hugo Toumir qui est un jeune et un autre jeune, Alexandre Delettre. Ils sont que six dans cette équipe puisque encore une fois le Covid est passé par là. Mais pourquoi pas, hein, jouer une deuxième cartouche, on l'a dit souvent depuis le début de la retransmission. Reste à savoir si Benjamin Thomas et Brian Coquart ont passé les obstacles jusqu'à maintenant. Oui. Là, il est dans le fameux plateau. Hein, oui. Il y a Carpiagne, où l'équipe de France de rugby était cette semaine. Le camp militaire, c'est une sorte de replat. Avant d'arriver au sommet et de descendre sur Marseille, hein, c'est pas loin de Lumigny où vous étiez arrivé deuxième, Thomas, en 2009. Votre sentiment sur la course? Vous voulez garder le suspense ou vous voulez mon sentiment? Je veux votre sentiment. Très franchement, je suis mauvais en pronostic, mais Guillaume Martin a fait une telle démonstration de force, non pas là depuis 1 ou 2 km, mais depuis maintenant 30 km avec des attaques successives, sachant que le terrain lui convenait, mais les adversaires le surveillaient. Il est parvenu à s'isoler. Derrière, on a un trio composé de deux coureurs de la même équipe, de Sandy Dujardin également. Et malgré tout, il maintient son avance. Il va y avoir la descente où il ne va pas perdre de temps. Ok, il y a un peu de plat pour aller jusqu'à l'arrivée. Il y aurait un fort vent de face. Je vous dirais que les 7-8 km qui précèdent l'arrivée étaient en sa défaveur et qu'avec un peloton organisé. Mais là, un peloton, il reste 40 coureurs. Dans la montée, il y a eu des individualités qui ont attaqué. Tout le monde fait un peu la grimace, ce qui n'est pas le cas de Guillaume Martin. Je pense que ça sent bon pour lui, mais
Mais encore une fois, je peux me tromper parce que derrière, ils y croient encore, on le voit. Mais... histoire de faire le bon et le méchant, vous savez, quand il y a deux flics dans une série télé, moi, j'ai peur qu'ils se fassent rattraper dans la ligne droite et qu'ils se fassent coiffer au poteau. Donc comme ça, on aura peut-être tous les deux, un des deux qui aura raison. Vous voyez ce que je veux dire. Ça se maintient, on voit qu'il est au-dessus des 35 secondes. Il y a son visage qui est d'une sérénité. Alors on ne sait pas évidemment ce qu'il y a dans les jambes et dans la tête, mais on le sent habité d'une grande tranquillité. Ouais, je suis d'accord que... Enfin, on l'a fait remarquer, regardez là, en tête de peloton, qui est-ce qui fait l'effort? C'est Thibaut Pinot. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne jouera pas la carte du côté de Groupama FDJ. C'est trop tard désormais pour jouer la carte Thibaut Pinot. Il se met au service d'autres coureurs. Et là, il y a tout le monde qui s'y met. Hein. C'est que toute une équipe, vous voyez Arkea Samsic, vous voyez Trek Segafredo, formation BNB Hotel. On a même vu Alexis Goujard qui était à l'avant, qui est venu jeter ses dernières forces. Il y a l'équipe Trek Segafredo, il y a AG2R Citroën Team. Oui, on sent le danger, Guillaume Martin. Oui, clairement. Bocque Mollema, vainqueur d'étape, entre autres, Tour de France, qui maintenant travaille également. Bocque Mollema, si on dit son palmarès, on va perdre 3 minutes, parce que Bocque Mollema, c'est vraiment un coureur de classe mondiale, même s'il a 35 ans, c'est un grimpeur. Pour la Groupama FDJ, je me permets de vous couper, il y a Quentin Paché, on peut le citer parce que je parlais de BNB Hotel tout à l'heure, il a changé d'équipe et je pense que c'est peut-être pour lui qu'on court également. Voilà, vous parliez de Thibaut Pinot qui roulait pour un coureur. Quentin Paché, dossard numéro 17, qui a rejoint Groupama FDJ, il peut lui, au sprint, éventuellement s'imposer, on est d'accord Thomas? Avec les clients qui restent peut-être, on a du mal à identifier et vraiment qui est présent de manière certaine dans ce groupe. Trentaine, ils sont une trentaine et on n'est pas sur la moto derrière les coureurs à pouvoir lire les dossards. Il n'y a pas Thomas Vauclair qui nous dit lui et lui, c'est sûr. Ouais, mais malgré tout là, vous voyez ce petit moment où les deux coureurs, donc Diego Ulissi, Alexis Brunel, ils se relèvent un petit peu, ça va avoir un petit temps de temporisation. Le peloton va les reprendre et ça sera 3-4 secondes de gagné pour Guillaume Martin qui lui ne se retourne pas, mais toutefois l'écart quand même descend, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure et je maintiens mes propos que je suis incapable de dire si Guillaume Martin va la gagne. En tout cas il coince pas physiquement derrière. Est-ce qu'il y a encore des coureurs qui connaissent parfaitement le parcours, qui gardent en réserve un ou deux coureurs pour rouler à bloc sur les 4-5 derniers kilomètres? C'est tout à fait possible. Donc le suspense est entier, vraiment. La course est magnifique depuis le début. Grand coup de chapeau à Sandy Dujardin et Alexis Brunel. On est d'accord, Thomas, qui ont fait plus que le job? Oui, en plus, Alexis Brunel, c'est jamais facile de changer d'équipe. Hein. Il arrive de la Groupama FDJ, il arrive dans une équipe étrangère, c'est pas rien. Il a complètement changé d'univers et dès la première course, sur un parcours qui n'est pas forcément ce qui lui convient le mieux. L'année dernière, il avait fait une très belle étoile de Bessèges, il avait gagné la première étape notamment. Et là, Sandy Dujardin, qui sur sa lancée de l'état de forme du cyclocross, montre peut-être qu'il n'y a pas que l'arrivée de Peter Sagan dans cette équipe Total Energy et que des jeunes coureurs comme lui, issus de la réserve, qui est le Vendée U, peuvent aussi être présents dans la première course de l'année, dans le final, aussi sélectif soit-elle. On arrive quasiment au sommet. Guillaume Martin, 14 secondes. C'est tendu, ouais, n'ayons pas peur des mots. Mais après, il n'a plus le choix, il a plus rien à perdre. Il a un ou deux coureurs derrière, mais il n'y a pas Brian Cocard, sinon on l'aurait déjà vu. Même s'il est petit physiquement, grand par le talent, mais il a le don pour savoir s'abriter. Mais je ne pense pas l'avoir repéré dans ce groupe. Guillaume Martin n'a rien à perdre. Il y a des coureurs plus rapides que ses coéquipiers derrière. Donc, de toute façon, il a donné ce qu'il avait à donner et il a pu... justement plus rien à perdre, mais malgré tout il n'a pas l'attitude d'un coureur qui est à bout de force. C'est pas lui qui décide, il va conserver son rythme, mais quand je vois l'allure de la tête de peloton, ok ça travaille, ok l'écart diminue un petit peu, mais pour moi ça manque un petit peu quand même de rythme par rapport à l'homme de tête, tout simplement, alors qu'on a un Benoît Conefroy qui n'attaque plus cette fois mais qui se met à rouler une troisième, je me suis trompé, c'est pas lui qui était devant, ça doit être Geoffrey Bouchard, je pense. Benoît Conefroy était en troisième position. Bon, faut s'y refaire il faut se refaire la main, on était en vacances aussi, donc Conefroy c'est lui qui a le dossard
Numéro 1 hein, et Geoffrey Bouchard le dossard numéro 4. Je pense qu'ils sont moins de 30 même, Thomas là, comme ça. Si vous voyez un sprinter, il y a Brian Coquerel là, voilà, le 22. Il est là en avant-dernier, il est là le 22, il est bien là, ça change tout, ça frise les moustaches, ça change tout. Brian Coquerel, regardez à son allure, on le voit, il est presque déçu d'avoir un coureur de son équipe qui est tout seul devant. Non, j'y crois pas ça. Mais non, il n'est pas déçu. En tout cas, il est à l'aise. Non. Il se dit, ils vont revenir sur lui et je vais les avoir au sprint. Voilà ce qu'il a dans la tête. Enfin, bon. Ah ben de toute façon, il n'y a que ça à avoir dans la tête. Il a un équipier avec lui, là, juste à côté, qui est là pas, pour le repasser. Là, vous mettez tranquillement en fin de peloton. Voilà, c'est royal le bar. Hein. Ouais, c'est exactement ça, d'autant que l'écart vient de remonter. Donc, ouais. De deux choses l'une, soit son leader va s'imposer. Il est au sommet. Soit lui, il fait partie, Brian Coquerel, avec sa très grande pointe de vitesse, partie des favoris. Il a passé les plus grosses difficultés d'aujourd'hui. Désormais, quelques soleils attaques, il sera plus décroché. Et surtout, il a un coéquipier dans le peloton à ses côtés pour contrôler les attaques dans les derniers kilomètres si nécessaire. Donc on parlait de l'équipe UAE Team Emirates qui jouait sur du velours. Je crois que là c'est l'équipe Cofidis d'Alain Delaye qui est en train de Cédric Vasseur. On l'a quand même senti avec ces deux cartouches fameuses depuis le départ. Vous me laissez 3 heures, Thomas, je vais vous faire le CV de Brian Coquerel, 29 ans. Médaillé d'argent de l'Omnium au JO de Londres en 2012, ça veut dire que c'est un pistard surnommé Le Coq. Il était à Direct Energy, une équipe que vous connaissez par cœur, vainqueur de très nombreuses étapes au sprint depuis 2013 à l'Étoile de Bessèges. Il a gagné Paris-Camembert. Il a gagné aussi aux 4 jours de Dunkerque. Ouais, il a un palmarès énorme. Hein. Des dizaines d'étapes. Et en 2020, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, deuxième du championnat de France sur route. Hein, vous avez dû la commenter, cette course, Thomas. Et en 2021, donc, troisième ici l'an passé. Il était parti trop tôt. Oui. Eh bien, on va l'écouter parce que lui aussi, il a bien voulu s'arrêter auprès de Fabien Maligou. Et en gros, il ne voudrait pas se faire avoir comme il l'a été l'an passé. On va dire que j'ai pas réussi très bien à l'appréhender l'an passé. J'avais lancé un peu trop loin mon sprint parce qu'on voit l'arrivée de très loin. C'est un peu faux plat descendant, vent de face. C'est un peu dur à appréhender, mais je me suis fait avoir l'an passé. En tout cas, s'il y a un emballage final, je serai beaucoup plus attentif cette année. Là, quand vous avez un sprint d'une ligne droite, d'une ligne droite si longue, qui est quasiment pas unique en Europe, mais pas loin quand même, c'est rare. Avec la dernière ligne droite de Paris-Tours avant les changements. Hein, donc, deux kilomètres comme ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ronds-points, il y a beaucoup de virages dangereux. Après, il a très bien expliqué l'année dernière, il y avait ce vent de face. Hein, je le redis depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, le vent est un petit peu de face, mais il souffle pas à 50-60 km/h, donc ça change totalement un sprint. Et c'est vrai que des coureurs peuvent être déstabilisés, parce que c'est sur 100 courses de l'année, il y en a 95, enfin quand ça arrive au sprint, où il y a des virages dans les 300-400 derniers mètres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc dans le cas d'une arrivée comme celle-ci, ultra longue, de 2 km, pas trop de vent, l'idéal c'est de partir à combien, Thomas? 300-250? Ça dépend du type de sprinter que vous êtes. Un coureur comme Brian Coquerel, son atout majeur c'est le jump. Si vous prenez, donc ça veut dire qu'il faut qu'il attende le plus possible et qu'il se lance même à 75 mètres de l'arrivée. Ça peut paraître très peu, mais si le coureur qui le précédait en bout de course, c'est largement suffisant pour se faire sauter sur la ligne. A contrario, si vous prenez Nasser Bouhanni, un petit peu dans les mêmes caractéristiques que Brian Coquerel, il n'est pas là aujourd'hui. On l'a vu sur le bord de la route d'ailleurs, Nasser Bouhanni aujourd'hui. Mais sprinter, il n'est pas un grand sprinter, un Cofidis aussi qui est passé. Et à l'inverse, Arnaud Démare, un des meilleurs sprinteurs mondiaux de l'équipe Groupama FDJ, lui préfère être lancé par vraiment des coéquipiers et a plus de force sur la longueur qu'un Brian Coquerel. Donc, pour résumer, l'idéal, c'est quoi? Allez. Aujourd'hui, 100 mètres. Ah, 100 mètres. 100 mètres, même pas 200 mètres. Avec, hein, un petit groupe comme ça, dans 200 mètres, en termes de longueur d'effort, de secondes et de nombre de coups de pédale, c'est beaucoup. Ouais, pour avoir le jump, c'est 100-150. Allez, voilà. On est d'accord. Surtout après une course aussi éprouvante, avec autant de kilomètres, autant de dénivelé, et qui n'est pas un peloton de 150 à l'arrivée. Hein, c'est puis, un petit groupe. Hein. Et puis, vous l'avez dit, Thomas, on n'a pas eu un moment de répit, quoi. Parce que parfois, vous avez le peloton qui prend la musette, raconte des histoires. C'est vrai que depuis qu'on a pris l'antenne. Là, non, rien. C'est le charme du début de saison. La même course dans 3 mois, vous avez
voilà, des scénarios un petit peu où ça se pose davantage. Et là, on a eu des attaques de partout depuis tout à l'heure. Mais le parcours aussi s'y prête. Les organisateurs proposent un parcours magnifique, ce qui permet de ne pas avoir de temps mort. Et puis, on n'a pas envie, certaines équipes n'ont pas envie de laisser des équipes s'organiser, justement. Donc, il faut attaquer à tout va. Et on a noté, là, on a Alexis Brunel, le Français, qui était à l'avant tout à l'heure, qui essaye de garder les roues dans la descente, qui a eu un petit peu de mal dans la fin de la montée. C'est bien légitime. Malgré tout, on a des équipes qui n'ont pas de coureurs ultra rapides, donc ils veulent déclencher de loin, et d'autres équipes qui jouent sur deux tableaux. En tout cas, l'équipe Cofidis aujourd'hui, 16 secondes, 16 km de l'arrivée, le suspense est entier et ils ont une très belle carte derrière. Mais l'équipe Arkéa Samsic est également en nombre, mais elle n'ont peut-être pas, même si je crois j'ai pu apercevoir, il me semble, Connor Swift qui est un très bon sprinter, hein. J'ai cru voir Céline Ray, d'ancien champion de Grande-Bretagne. On ne peut pas faire vraiment un état des lieux, mais il est clair que Brian Cocard, on ne va pas parler que de lui, mais on est obligé d'en parler parce qu'il fait partie, objectivement, troisième l'année dernière, en cas d'arrivée groupée. Si Guillaume Martin se fait reprendre, ce qu'on ne souhaite pas, il fait partie des favoris. Alors, on a un petit clin d'œil pour les coureurs de Marseille-Cassis, hein, qui empruntent cette route dans l'autre sens. Marseille-Cassis, c'est une course de 20 km célèbre, organisée par le club de l'ASCO Sainte-Marguerite à la fin du mois d'octobre. Et donc c'est une course très difficile, remportée généralement par les Kenyans en environ une heure. Et donc ils prennent cette ascension du col de la Ginesse, mais dans l'autre sens. Et la montée, je peux vous dire, là, elle fait vraiment très mal. Il y a 15 000 pèlerins qui empruntent cette route. Et là, donc on est à Vaufrège, on arrive à Lumini, justement, Thomas. Donc c'était un petit clin d'œil à cette course, désormais plus que régionale. Elle a un label international. 6 km de l'arrivée. On n'a pas l'écart, j'ai l'impression, entre Guillaume Martin et le reste. Il y avait 16 secondes, il y a deux bornes de ça. Ouais, donc, mais là, ouais. Donc on n'a plus l'écart. On peut des outsiders, selon vous, on a parlé de Connor Swift, on a parlé de Brian Cocard. Est-ce que vous avez... Écoutez, on a parlé du Jardin qui était tout à l'heure. On a noté la bonne présence de l'équipe. Il s'est fait rattraper. Mais par contre, on aperçoit Mathieu Burgodeau, qui est de Total Energy. On aperçoit Julien Simon, qui a également une très belle pointe de vitesse. Ça, c'est deux coureurs d'une équipe que vous connaissez par cœur. C'est votre équipe historique. Hein, c'est Total Energy. Donc, les dossards 106 et les dossards 104. Burgodeau, le 104, et Simon le 106. Je crois apercevoir ni plus ni moins que Tony Galopin, certes, mais je me demande si Mats Pedersen n'est pas encore là. Là c'est un point d'interrogation, hein. Ça m'étonnerait, hein, vu le parcours. Mais en tout cas, Tony Galopin, qui a une très belle pointe de vitesse également, est bien présent au sein de ce groupe de contre. On l'a entendu. Donc, attention tout à lui, l'heure, parce que, Tony Galopin, Dessart 51. On parlait de superstition. Et regardez quelle équipe, hein, roule depuis déjà plusieurs kilomètres. C'est la même qui avait qui était en position de force. Eh bien, ils ne baissent pas les bras et on les retrouve, l'équipe UAE Team Emirates, en tête de ce peloton, à moins forfait, de 5 km. Ouais. Le forfait de Matteo Trentin, bizarrement, ça leur a donné des ailes. Hein. Ben disons que ça décomplexe une équipe, c'est-à-dire qu'il y a du pour et du contre. Quand vous avez un favori sur le papier comme ça, qui est là, vous savez que vous devez courir pour lui. Et puis finalement, quand il n'est pas là, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais en ayant un bon état d'esprit collectif, et ça enlève de la pression. Finalement, c'est que du bonus. Et après, attention, là, je pense qu'ils en font peut-être un petit peu beaucoup, parce qu'il y a quand même, ils ont quand même du monde, hein, derrière eux. Là, hein. Il y a des clients, hein, qui sont là. Donc, et regardez, 30 coureurs. À l'arrière du peloton, Arkéa Samsic, vous avez 5 coureurs regroupés qui ne donnent pas un coup de pédale. Et ça veut dire quoi? Qu'ils savent très bien qu'il y a une ligne droite de 2 km et que c'est pas le tout d'aller faire les malins en tête du groupe. Dans l'équipe Arkéa Samsic, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a Connor Swift. Hein. Donc le dossard 96, c'est l'équipe de Maxime Bouet. C'est peut-être lui, ils vont peut-être jouer la carte Swift. Ouais, en tout cas, je ne connais pas les autres. Il hein, y a des jeunes, Ryu, Vert, Guermalec, je ne les connais pas. Ce sont des néo-pros. Il a gagné l'année dernière le Trop Brolion, une autre manche de la Coupe de France. Connor Swift. Oui, Connor Swift, c'est un lanceur habituellement, hein, de Nasser Bouani. Donc, qui dit lanceur dit forcément des aptitudes au sprint.
On va arriver à l'obélisque de Mazargues, qui est pas bah, évidemment l'obélisque de la Concorde avec les Champs-Élysées, mais l'obélisque de Mazargues, ça marque l'arrivée de 2 km, cette ligne droite du boulevard Michelet. Belle course de Thibaut Pinot, quoi qu'il en soit. Hein, il est dans le groupe de tête, Thomas. C'est quand même pas mal pour une reprise pour carrément. Et puis on l'a vu surtout, non seulement il est dans le groupe de tête, mais on l'a vu attaquer, on l'a vu rouler. Peut-être pour Sébastien Reichenbach pour essayer de revenir sur Guillaume Martin. Donc oui, un Thibaut Pinot en jambes qui s'est sans doute rassuré aujourd'hui. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le peu d'équipes représentées, mais en grand nombre. Hein. On a dit Trek Segafredo, UAE, on a dit Total Energy, ils ont 5 coureurs. Arkea Samsic, c'est la même chose. Je suis un petit peu gêné qu'on n'ait pas d'écart, parce que là, on est à 2 km de l'arrivée, on ne sait pas exactement combien il y a par rapport à l'homme de tête. Bah, Guillaume Martin, a priori, il a été repris. Hein. Thomas, moi, je ne veux pas vous faire trop d'espoir, mais voilà l'obélisque. Guillaume Martin, il a été repris. Voilà, il est dedans le peloton, Guillaume, hein, c'est clair, Thomas. Donc, bon, bah, je vous crois qu'il... parle. Moi, je ne suis pas habitué en cabine, donc voilà, qu'est-ce qui lui a manqué Pas grand-chose. Il y a eu des équipes qui ont été soudées derrière et qui ont uni, non pas leurs forces, mais qui sont restées collectives et qui étaient conscientes du parcours et du vent qui restait. Mais... ouais, c'est 4h30 de course. On peut pas dire que il peut pas avoir de regret. Attention à Philippe Gilbert, hein, qui est également placé. Il a de l'expérience et il a une pointe de vitesse. Hein, voilà, Guillaume, il est là maintenant. Il va peut-être avoir encore un brin de force pour replacer, pourquoi pas, Brian Coquard. Si Philippe Gilbert gagne, vous allez reprendre un dossard, Thomas. Vous avez que 2 ans d'écart. Ouais, moi, je veux bien quand même que c'est un des plus grands coureur de l'histoire des classiques, que c'est un sprinter, qu'il a été champion du monde, mais 39 ans, il a eu une grippe intestinale ou des problèmes il y a une petite semaine, ouais. ça va être compliqué quand même. Ouais, 1,8 km de l'arrivée, là évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On resserre les calepiers. Là il faut de la sérénité, il faut énormément de sérénité, là les oreillettes ça marche quasiment plus. Regardez Guillaume Martin là sur la droite de la route, il fait le dernier effort hein, pour replacer son équipier ainsi que Brian Coquard. Encore une fois Coquard. Et hein. Sur la gauche de la route, on a l'équipe Total Energy qui est vraiment très bien structurée et qui est bien groupée, je pense, pour Julien Simon pour le coup, à moins que Edvald Bosanagen soit encore présent. Il est là, Edvald Bosanagen. Donc ça sera pour lui, hein. Ça sera pour lui plutôt que pour Julien Simon. Oui, mais bon, il est. Et il y a Tony Galopin qui est un peu plus esselé. En fin de carrière, Bosanagen, il a un palmarès énorme. C'est un des grands coureurs au départ de cette course. On est à 1 km et c'est Total Direct, Total Energy, Thomas qui mène la danse. Ouais, là, c'est pas. Ils ont lancé de loin. Hein. Il restait 4 coureurs. Là, il faut en profiter. Mètres, hein. Là, c'est Julien Simon qui lance. Attention, on se rappelle de l'année dernière, de la manière dont Aurélien Paré-Peintre est venu coiffer tout le monde, même s'il n'y avait pas le même vent. Ouais, et puis c'était Thomas Bouda et Brian Coquart qu'on l'a vu, on l'a entendu. Bosanagen a lancé le sprint. Bonne suite dans les roues. Un peu trop tôt. Et Tony Galopin deuxième. Un peu trop tôt quand même. Il est parti de très très loin. Thomas, ça va être compliqué pour Bosanagen. Il va se faire prendre sur la ligne. Et c'est Connor Swift peut-être. C'est peut-être Connor Swift. On l'a senti, Thomas. C'est peut-être Connor Swift qui s'impose. C'est Amaury Capio. Non, c'est Amaury Capio. C'est l'équipe de Connor Swift. On l'a senti avec Maxime Bouet. Vous le disiez qu'il y avait 5 coureurs de l'équipe Arkea Samsic qui faisait la course, qui était bien calé en fin de peloton pour Connor Swift. Eh bien, c'est un autre tourtereau qui s'est imposé avec le dossard 92, Amaury Capio. Alors là, c'est gros coup au loto sportif. Vous allez tout me dire d'Amaury Capio, Thomas, quand même, parce que celui-là, on ne s'y attendait pas. Ouais, non, après, on connaît ses qualités, mais c'est vrai que dans ce peloton, on a cité Bosanagen, on a cité Tony Galopin, on a cité Brian Coquart. Brian Coquart qui vient faire une belle place, mais malgré tout il n'y a pas eu photo. Regardez, c'est un sprint, il nous a pas écouté, et c'est bien l'ancien champion du monde Mats Pedersen pas Tony Galopin qui était là, hein, donc grand Mats Pedersen aujourd'hui. On a bien senti Mats Pedersen, champion du monde 2019 hein, en Angleterre, c'est pas n'importe qui, le dossard 54 de l'équipe Trek Segafredo. Et il est parti trop tôt, encore une fois, comme Coquart et Bouda l'an passé. Oui. Là, il est parti trop tôt.
proto Boissonhagen et il se fait coiffer sur le poteau. Bien, hein, propre son sprint à Amaury Capio. Il n'y a pas photo, hein, j'ai envie de dire. Après, vous avez totalement raison. C'est une ligne droite, c'est quand même très particulier. En plus de ça, c'est pas une course à étapes où vous arrivez après deux semaines de fatigue. Là, il y a une journée qui a été harassante du début à la fin. Il ne reste plus que 60 coureurs. Il restait un coureur devant. On n'était même pas sûr qu'il était repris ou quoi. Donc c'est difficile à gérer. Et puis il faut signaler une chose, c'est que c'est un des plus gros collectifs dans les 10 derniers kilomètres qui a mis la balle au fond. C'est avec vous, des coureurs mais c'est vous comme, qui l'avez dit Thomas, vous avez dit ils sont 5, ils sont bien calés en fin de peloton. Ils étaient à 5 km d'arrivée, 5 coureurs dans les derniers du peloton. On n'avait pas senti le vainqueur, mais on avait senti l'équipe. On a le jeune Clément Rousseau qui vient le féliciter, qui a sans doute œuvré énormément dans les dernières centaines de mètres pour le placer, parce que dans ce type de sprint le plus important n'est pas forcément d'être lancé mais c'est d'être placé. Remarquable victoire, hein. C'est une belle victoire et je pense que Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe Arkéa Samsic, il doit non pas souffler un grand coup parce qu'on peut pas dire qu'il avait une pression de folie pour cette première course, mais de débuter l'année avec une victoire comme ça sur le Grand Prix de la Marseillaise avec le plateau qu'il y avait aujourd'hui, ça doit faire du bien. Parlez-nous donc de ce coureur Amaury Capio, Thomas. Et écoutez, si je dis pas de bêtises, il était déjà dans la structure de Arkéa Samsic l'année dernière, mais c'est vrai que si on a vu un Nasser Boigny aujourd'hui qui était parvenu à passer les bosses, il aurait dû s'effacer. Je vous cache pas que j'aurais pas forcément misé sur lui, mais voilà, on le voit la manière dont il s'impose aujourd'hui. On peut dire qu'il n'y a pas photo et il y a quand même de l'expérience, hein, parce que regardez, il débouche alors même que Mats Pedersen et Edvald Boasson-Hagen ont déjà lancé le sprint depuis plus de 100-150 mètres. Il patiente, non pas qu'il est enfermé, il patiente. Attention, hein, pas de cocorico, hein, c'est un Belge. Ah oui, c'est un Belge. Il a 28 ans, le garçon, ce n'est pas un Français qui s'impose, alors que certains disent que c'est le championnat du monde des Français, cette première course, que c'est souvent des Français. Là, c'est un Belge qui s'impose donc pas sur le Vieux-Port, mais sur le boulevard Michelet. Un sprint, j'ai envie de dire, royal, décolle. Ouais, vraiment. Et puis un sprint propre. C'est-à-dire que des fois, vous avez des sprints où il peut y avoir des mains qui se lèvent après l'arrivée. Un sprint irrégulier, on a changé de ligne, sprint houleux. Là, honnêtement, avec la dernière ligne droite qu'il y avait, ça s'est passé... Toutes les équipes ont pu travailler comme elles voulaient. Certaines ont peut-être mieux jugé que d'autres le moment où il fallait faire l'effort. Et avec les ascensions qu'il y a eu avant, ça a réduit un petit peu le peloton. C'est un beau sprint. Des fois, savez quoi ? En fait, Amaury Capio, il a couru la semaine dernière. Il y avait le Grand Prix de Valence. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait ? Il a terminé deuxième, non ? Il a terminé deuxième. Ah, voilà, ça veut dire que c'est vraiment un coureur en forme. L'année dernière, il avait fait troisième du Grand Prix de Valence, donc à la même époque. Ça veut dire que c'est un coureur du début de saison. Vous le disiez en ouverture qu'il y a des coureurs comme Jonathan Hiver qui sont très bons au mois de janvier, au mois de février. Et puis les Belges, vous savez, ils ont une culture, c'est quoi ? C'est que... Cosnefroid 5, Cocard 6, on n'a pas été mal. Et Diego Ulissi quand même 8 ou 9. Ouais, qui arrive. Donc, on écoute le vainqueur. Amaury, quelle course. On a vu un gros collectif Arkéa Samsic aujourd'hui pour vous amener, pour vous déposer sur cette ligne d'arrivée. Oui, c'est ça, avec un très bon boulot de l'équipe. Certainement le dernier 20 km avec Max Bouet, le régional de l'étape, il sait bien les routes. Et après les derniers 20 km, je dois juste suivre les mecs. Et ils ont fait un très bon boulot et je suis très heureux de gagner cette course pour l'équipe. Et ben voilà. Surtout que vous étiez deuxième la semaine dernière, hein, pour votre première course de la saison. Vous êtes passé un petit peu entre les radars, mais vous étiez clairement parmi les favoris si vous passiez la montagne. Oui, c'est ça. C'est ma huitième année professionnelle. Je n'avais pas de victoire, donc ça c'est le seul choix, la seule chose que je cherche encore. Et aujourd'hui, ça a été, donc je suis très heureux. C'est parfait pour lancer cette saison d'Arkéa Samsic, d'autant que Nasser Boigny, justement, lui, s'était blessé. Oui, c'est ça. Les grands leaders comme Nairo, Warren et Nasser, ils doivent gagner des courses. Donc c'est toujours bien s'il y a un autre coureur qui peut gagner. Donc on a beaucoup de mecs qui sont juste le sub-top, le sub-niveau, avec Connor et moi, Dan et les autres mecs. Mais ça fait du bien pour l'équipe de gagner avec les mecs qui ne sont pas vraiment leaders. Donc nous sommes très heureux.
Surtout qu'aujourd'hui, vous aviez deux cartes avec Connor Swift aussi en cas d'arrivée au sprint. Je pense qu'on aurait été libre aujourd'hui, donc les dernières 40 km jusqu'au début de crête, il était libre pour faire son boulot qu'il veut. Et après, après la route de crête, quand j'étais là avec le premier groupe, c'était normalement tous pour moi. Donc non, je suis très heureux de l'équipe pour me donner la confiance et après pour le boulot d'aujourd'hui. Merci beaucoup à moi, Capio. Amaury Capio qui a regardé notre retransmission, puisqu'il a dit Maxime Boé, le régional de l'étape, qui connaissait les routes par cœur et qui a été quelque part le lieutenant un petit peu. Attendez, ça monte, ça descend, on revient, on se regroupe, la ligne droite elle fait 2 km, on part pas trop tôt parce qu'elle est interminable cette ligne droite, à la différence de Boissonhagen, et pof, à l'arrivée ben, ça paye. J'irai même plus loin, c'est que c'est sur l'ensemble de la journée qu'un coureur à domicile amène de la sérénité à son leader. On a un champion du monde aux côtés de Fabien Madigou. Can we ask Samuel? Il ne peut pas. Mats Pedersen, qu'il n'est pas de bonne humeur. Il ne veut plus. On le voit, pourtant il est juste là. Mais il a été battu au sprint et finalement, voilà. Alors qu'on découvre le port Saint-Nicolas sur le vieux port de Marseille, arrivé surprise, mais c'est jamais un second couteau quand même qui s'impose sur une telle course. De moins en moins, j'ai envie de dire, sans faire offense aux coureurs qui se sont apaisés il y a des années, mais la Marseillaise, c'est maintenant et déjà depuis de nombreuses années une course référence. Et tout à l'heure je parlais des points, c'est pas le vocabulaire que j'aime employer, mais malgré tout il y a un truc comptable, c'est qu'à la fin de l'année 2022 il y aura un classement qui va sortir sur les trois dernières années qui déterminera quelles équipes sportivement en termes de points pourront figurer dans les 18 premières mondiales. Et l'équipe d'Emmanuel Hubert, Arkéa Samsic, je pense qu'elle est très heureuse d'engranger des points aujourd'hui parce que c'est toujours ça de prix en vue de la fin de l'année pour figurer en World Tour. Amaury Capio, vainqueur ici à Marseille. On saluera tout de même, alors qu'on redécouvre le classement avec des coureurs dont on a parlé. Mats Pedersen, champion du monde en 2019, battu au sprint. Galvan Fernandez, battu également. Il est sur le podium. Boissonhagen, un gros poisson qui est parti trop tôt. Les Français, Cosnefroy, vainqueur en 2020. Cocard, troisième l'an passé. Et puis Diego Ulissi, huitième. Mats Pedersen, ça y est, c'est bon ? Allez, on vous découvre. Ça y est, c'est bon. Mats a pu se rhabiller un petit peu et puis mettre son masque surtout. Mats, what race for you today, but second at the end. Yeah, of course I hope to win. Normally the sprint is quite good, but first race of the season and allez-y, Thomas. In the sprint, so, c'est ça, ma première course de l'année. It's a good start of the season, c'est un bon début de saison pour moi. In the end, I should be happy, but I aim for the win. Didn't happen today, but luckily we. Ouais, il espérait la victoire, bien sûr, mais c'est pas arrivé aujourd'hui. It was a hard race for you, for all the riders. Yeah, it was a tough race. C'était une course très dure. I didn't do it before. Il l'avait jamais fait. Told me it was a hard race. Bon, il l'avait entendu dire que c'était dur. They also said this was one of the hardest times they did it. So good start. Ouais. Thanks a lot, Matt. On lui avait dit que c'était dur, mais il se rendait peut-être pas compte à quel point. Ouais, et dites-moi qui vous êtes quand je vous aurais dit qui vous battez. Il a battu Amaury Capio, Mats Pedersen, oui. Champion du monde 2019, vainqueur de Gamvevelgen en 2020. Ça veut dire que il a battu Boissonhagen. Et en plus, je vais vous faire une confidence. J'ai vu Mats Pedersen, qui est réputé pour un coureur qui aime le froid, c'est pas le plus affûté des coureurs. C'est pas celui à qui on voit le plus Danois, la peau. Hein. Voilà. Et bien, ce matin, je l'ai trouvé pour un début d'année vraiment en forme, avec affûté, comme on dit dans le jargon. Et j'étais surpris un peu, mais dans le bon sens du terme, d'autant que c'est un coureur qui aime la pluie et le froid. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de pluie. Il faisait même très bon pour un Danois. Il faisait très chaud. Donc c'est plutôt, on a vu, hein, il était peut-être déçu au début. Et dans son interview, on a bien compris qu'il se projetait déjà plus loin. Recommandez-nous ce sprint. En fait, Thomas, c'est 50 derniers mètres. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, si ce n'est en tout cas la cinquième place de Benoît Cosnefroy. Après les efforts qu'il a fait, c'est à noter. C'est à noter dans un sprint comme ça. Vous voyez qu'il y a plusieurs coureurs de front sur la même ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr que ça s'est fait à la cuisse, mais il y avait surtout de la fraîcheur et puis il fallait de la vista. Il fallait de la vista parce qu'on n'enlèvera pas l'idée qu'Amaury Capio, il a déboîté au moment où il fallait. Alors c'est facile de le dire après coup, mais si on prend l'image de Brian Cocard dans la dernière ligne droite, si on avait pu l'avoir en interview, je pense pas qu'il puisse avoir de regrets.
progrès. Il n'a peut-être pas encore son pic de forme. Il n'avait pas la pointe de vitesse qu'il est capable d'avoir. Et quand on parle de Cador, Benoît Cosnefroy qui bat Brian Coquart en sprint, ça veut dire qu'il est en forme alors qu'il a eu le Covid il y a quelques jours. C'est fini Thomas, il me reste ça passe vite en cabine Michel. Ça passe vite. Juste le temps des remerciements sur ces images magnifiques de la deuxième ville de France. Merci à tous les techniciens qui m'ont aidé aujourd'hui à la script, Anne, au réalisateur Romain François et bien sûr à vous Thomas. Quel plaisir et quel honneur d'être à vos côtés. On vous retrouve quand? Sur France Télévisions pour Paris-Nice peut-être? Oui, et peut-être avant, pourquoi pas. C'est Amaury Capiot qui s'est imposé ici à Marseille pour la 44e édition du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. Bonne fin de journée, à très vite. Merci pour tout. Quelle journée, quelle émotion j'ai vécu. J'ai vécu la course dans une voiture avec la commissaire 1, c'était absolument exceptionnel. Là où je suis très heureux, c'est qu'on n'a pas trop eu de chute, on en a eu plus, donc c'est bien, les coureurs ne sont pas blessés, donc tant mieux. Un temps magnifique, 175 km de rêve sur nos territoires, et des partenaires fidèles qui sont tous là et que je tiens à remercier avec les Roubaix et Librin qui nous ont beaucoup aidé cette année. Mais vraiment merci à tous les partenaires publics d'abord, la ville de Marseille, le département, la région, la métropole de nous faire confiance. Merci à tous nos partenaires privés, le Crédit Mutuel aussi, et tous nos partenaires qui sont là, avec Julien et la petite location qui est très bon, et Vincent Lagrange. Mais merci à tous d'être là parce que c'est les événements du journal de la Marseillaise et consommer cet événement sans les salariés, sans les bénévoles. Et je vous demande si vous pouvez applaudir tous les bénévoles, du côté de l'organisation, de l'école de Bessèges, tous ces gens en gros qui vont là, c'est pas du tout, c'est les compagnons de Bessèges. Et ils sont là comme hier pour rendre cette course possible. Et vraiment merci à nos amis de Bessèges. Merci aux spectateurs parce que vous avez été là, c'était haletant, quel sprint. On est vraiment très heureux, je pense qu'on a bien tout se reposer. Et mes derniers remerciements viendront aux salariés de la Marseillaise qui se battent chaque année, tout le temps, pour que leur titre continue de vivre. Et le Grand Prix de la Marseillaise est partie intégrante des événements de la Marseillaise. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir, Pierre et toute son équipe, et demain, 4 pages spéciales, demain dans la Marseillaise, Gaël Biron qui est quelque part par là, et toute son équipe des sports de la Marseillaise, traiteront l'événement auquel nous avons assisté sur 4 pages. Donc on vous le conseille, et nous suivrons bien évidemment l'étoile de Bessèges, dont la Marseillaise est partenaire depuis 1987. Ça fait 35 ans de partenariat, c'est-à-dire que du côté de la Marseillaise, quand on est partenaire, c'est fidèle. À tous les cas, on est heureux de retrouver le public. Je crois que le Covid va venir par nous tourner le vœu et qu'on va retrouver le cyclisme de la Banque de l'État. Il y avait beaucoup de monde sur le parcours, c'est ce que nous avons dit sur notre écran de télévision, puisque France 3 était en direct. Je regarde dans les coulisses avec des bébés. Est-ce qu'on peut commencer Je vais mettre cette personne de là, Francisco Dalmadella, le vainqueur à Maury, Capio de là également. On commence la cérémonie protocole. Voilà, mesdames et messieurs, à Arnaud Platel. Arnaud Platel est comme on dit le directeur de la Ligue nationale. Voilà, nous allons accueillir sur le devant de la scène. On rappelle qu'il a gagné le
ce qu'il a voulu s'exprimer. Il a déjà s'établi de terminer deuxième à Valence. Il est le vainqueur du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, la Nation. Les félicitations à quatre autres que nous avons sur le podium, on vous l'a dit, la brillante dans Paris-Tours. Elle est un des meilleurs, termina à la cinquième place. Elle porte les couleurs de l'équipe Arkea Samsic. On rappelle qu'il avait fait troisième au Tour de Wallonie. Il a brillé à Valence, il était deuxième. Et il est aujourd'hui le vainqueur de l'épreuve. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore. Un homme, une copiote qui devient en même temps leader de la Coupe de France. Félicité donc sur le podium par Léa Purbeau, donc le président et directeur éditorial de la Marseillaise, Sébastien Gibrayel, donc adjoint-maire de l'Ego Sport, donc Pierre Guille, le président du comité d'organisation, et les bouquets de fleurs sont remis par les danseuses des Roubaix de Lévin, donc en tenue traditionnelle provençale. Voilà, bravo à Maurice Acton qui va recevoir après. On accueille le deuxième maintenant. Le deuxième va nous rejoindre. Le deuxième porte les couleurs donc, de la formation Trek Segafredo. Il nous vient du Danemark. Il a été champion du Danemark et champion du monde. On va accueillir à la deuxième place Mats Pedersen. Deuxième du Tour de France de Vola, champion du monde. Mats Pedersen, deuxième de l'épreuve. Il va être félicité par la métropole Aix-Marseille, et David Galtier, le vice-président, va nous rejoindre avec M. Grisou, représentant le groupe Nicolas, qui vont donc féliciter sur... Voilà, Mats, voilà, vous restez avec nous, Mats Pedersen, à la deuxième place, félicité sur le podium par donc, David Galtier, vice-président de la métropole Aix-Marseille, également donc, avec nous, M. Grisou, représentant le groupe Nicolas, également Jean-Jacques Schneider, directeur de la Marseillaise, qui va rejoindre le podium. Je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements à un ancien champion du monde, Mats Pedersen, qui avait gagné notamment au Tour Poitou-Charentes, il a brillé au Tour des Flandres, il a brillé également au championnat du monde dans la catégorie espoir, le maillot au Miss Arc-en-Ciel. On accueillera le troisième, et ensuite nous aurons le podium avec les trois premiers. Voilà donc bravo à Mats Pedersen à la deuxième place. Voilà Mats Pedersen, il est toujours intéressant d'être sur un podium en début d'année, même si c'est la victoire que l'on recherche et que l'on souhaite obtenir. On va dire maintenant donc le troisième de l'épreuve, il porte les couleurs de l'équipe Terre de Pharma. Il nous vient d'Espagne, donc Francisco Fernandez Galvan, qui va rejoindre le podium et qui termine donc à la troisième place. Le voilà sur le podium, donc Francisco Galvan Fernandez, troisième de l'épreuve. Il va être félicité maintenant, donc, Trophée Région Sud, qui va être remis par Pierre Guille, le directeur de l'épreuve. Il reçoit également les félicitations de Jean-Jacques Schneider, directeur du journal La Marseillaise, et également Laurent Fornichon, donc le directeur Ford, groupe Morin, voilà, qui adresse leurs félicitations à Francisco Galvan, dont on a rappelé les performances réalisées. Galvan a brillé notamment dans de nombreuses courses par étapes. On avait vu gagner au Tour de Galice et au Tour de Cantabrie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et maintenant, les trois premiers vont nous rejoindre. Voilà la traditionnelle photo du podium avec le vainqueur de l'épreuve, Amaury Capiette, Belgique de l'équipe Arc-en-Celtic. Le deuxième, voilà le donc, voilà le poussin de Belgique qui se... Amaury Capiette devient le leader de la Coupe de France. Donc on imagine le bonheur de Manuel Hubert, donc au sein de l'équipe Arc-en-Celtic. Voilà, je regarde en coulisses les trois premiers sont prêts, si on peut nous les envoyer. Voilà, le vainqueur. Donc, hop là, s'il vous plaît, Amaury Capiette qui rejoint le podium. Le deuxième, Mats Pedersen.
Larsen et le troisième, Francisco Delva. Voilà, voilà, et Claude Lucas, auquel j'ai joint mon retour ce matin, va nous rejoindre, notre célèbre artiste peintre. Oh là là, là, si vous pouvez mettre ça, voilà, parce que, voilà, si vous pouvez mettre un petit peu, il est vivant, donc, voilà, vous mettez à l'intérieur, donc, voilà, Claude Lucas va nous rejoindre, il a fait une aquarelle, et il est là, Claude Lucas, qui va remettre, voilà, le crédit mutuel. Voilà, Claude Lucas, vous pouvez applaudir notre peintre. J'ai joué un bon détour ce matin, parce que, voilà, donc, l'aquarelle, c'est pour le vainqueur, Claude, hein. Voilà, remis, ah, de la part du crédit mutuel. Voilà, casse-claude, si vous voulez avancer pour la photo, parce que c'est votre œuvre. Voilà, ça fait plaisir de voir un artiste peintre passionné de cyclisme qui a remis ce matin un ancien champion du monde. Nous aimerions qu'il nous rejoigne mutuellement, malgré chose sur le réducteur, qui a reçu de Claude Lucas une très belle aquarelle, cette tout à l'heure. Merci donc à Claude Lucas, merci à Maurice, bravo. Voilà, l'aquarelle est pour toi, elle vous présente Marseille, un paysage de vacances. Peut-être reviendras-tu pour passer ce qu'il est convenu d'appeler de belles journées. Voilà, pour la Coupe de France, Camille Calvez et Fabienne Amédreau, donc vice-championne de France en route, donc viennent de féliciter, ils sont détaillants. FDJ vient d'adresser leurs félicitations à Maurice, et elle est toujours là, allez le voir. Voilà, donc pour la Française des Jeux, elle vient de s'appeler Camille Calvez, ça sonne la Bretagne. Et donc c'est un Breton qui a gagné, et Fabienne Amédreau, vice-championne de France en route, adresse leurs félicitations. Il y a tant que vous l'applaudissiez, vous faites comme vous voulez, mais ça lui fait simplement plaisir. Bravo à Maurice Capiote. Bravo Maurice. Ah, si je ne retiens pas, il est capable de chanter la Provence. Alors maintenant, on va se terminer. On va le Grand Prix de la Montagne qui rend hommage à un grand champion, Raymond Poulidor, eh bien, va être remis par Patrick James, qui est le lauréat, vice-président donc, de Vacances de Lagrange, et Camille Cour. Donc le Grand Prix de la Montagne, Nicolas de Beaumarchais. Il est là, Nicolas Delbrot, qui a été formé au SCO de Dijon et qui a véritablement épaté tout au long de la journée. Je regarde s'il est dans les parages, si j'aperçois le maillot. Non, je ne vois pas le maillot de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. À l'arrivée, très bien. Voilà, Nicolas de Beaumarchais. Alors, on demandera également, il est attendu sur notre podium, le meilleur jeune. Le meilleur jeune de l'épreuve, c'est donc Galvan. Ah, si on peut garder l'espagnol Francisco Galvan, qui est le meilleur jeune également. Donc, Francisco, Bédé, si tu le vois, tu le maintiens. Et puis le prix du mérite sportif, le trophée Louis Rostelan, sera remis donc à Saint-Cachet-d'Orient, donc tout à l'heure. Voilà, Nicolas de Beaumarchais qui nous rejoint. Le coureur qui a gagné au Tour de la Manche, trois jours de Cherbourg, et a gagné au Tour de la Côte d'Or, aussi bien de c'est l'un des grands espoirs, première année professionnelle. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, Nicolas de Beaumarchais, qui reçoit donc les félicitations de Patrick Chasse, vice-président donc, de Vacances Lagrange, Camico responsable communication de celui du Tour de France, qui adresse leurs félicitations à Nicolas de Beaumarchais, qui n'a des plus beaux tempéraments, n'attendait son passage dans le peloton professionnel, et je suppose que du côté de Dijon, car il a porté les couleurs du SCO de Dijon, on doit être ravi de voir que Nicolas, dès la première course, s'est mis en évidence et a joué les premiers rôles. Bravo, Nicolas de Beaumarchais. Voilà, et c'est à Nicolas de Beaumarchais va recevoir la prime Louis Rostelan également. Voilà, donc la prime, qu'est-ce qu'il a remis la prime ?
La famille Rostelan a la même pensée pour lui, on le disait. Oui, tu es trop jeune, mais tu peux avoir une culture d'ivresse, il a gagné le Tour de Romandie, il a gagné le Dauphiné, il était le lieutenant de Jacques Anquetil sur les routes du Tour de France en accueillant la famille Rostelan. Je crois qu'on peut donner la mémoire de Louis Rostelan, qui était avec nous chaque année sur l'événement. Et c'est vrai que la famille Rostelan est indissociable au cyclisme dans cette région. Et voilà la prime Louis Rostelan, donc offerte par la famille de Rostelan et remise à Nicolas de Beaumarchais, mais Rostelan qui aimait les courses de tempérament. Et je crois que la course faite aujourd'hui par Nicolas de Beaumarchais lui aurait plu, parce que le genre de course qu'il effectuait. Et quand on pense à Louis Rostelan, on pense évidemment à ses victoires sur le Prix d'Alpes du Dauphiné, à ses victoires au Tour de Romandie et évidemment au sauvetage qu'il avait fait de Jacques Anquetil dans le Tour de France 1964, dans le col d'Envalira, là où le champ de Normand était à la peine, et il y a eu réussi ça sur le maillot jaune. Le rouge gardien de Jacques Anquetil, ce jour-là, c'était Louis Rostelan. Bravo à la famille Rostelan, merci. Et voilà. Voilà, avec Claudine est avec nous. Donc Claudine Zangil, on aimerait bien qu'elle nous rejoigne. Également le meilleur jeune va nous rejoindre, c'est Galvan. J'avais dit de le maintenir au chaud. Il est parti. Francisco et le meilleur jeune, parrainé par Corriance, et c'est Christian Menessier, représentant la société Corriance, et Stéphane Soto, ainsi que Jeanne Boubram, donc président-directeur général Olympique Vocation, qui va adresser la félicitation à Galvan. Voilà, Galvan et le meilleur jeune, Francisco Galvan. Et il t'a échappé, c'est Pierre de Farma. Donc Galvan est attendu, c'est le meilleur jeune. Voilà, alors, j'en profite pour applaudir bien évidemment donc, tous les partenaires, et notamment la société Corriance qui est sur le podium. Pierre le disait tout à l'heure, un grand bravo à tous les partenaires. Quand ce partenaire, pas de compétition, je crois que vous allez appeler tous les partenaires de l'épreuve. Et là, sur le podium, donc, Corriance, Bonifé Matériaux, nous avons également, donc, Olympique Vocation, qui sont allés. Avec, ah, ça y est. Et le micro coupé, voilà le trophée qui sera remis. On va demander à Claudine de bien vouloir nous rejoindre. Claudine Zangil, toute l'équipe là, et que Galvan s'en va vers l'épreuve de Bessèges. Et bien, c'est Claudine qui a pris la succession de son papa qui remettra le trophée à l'Espagnol. Tiens, on va demander à Luc Leblanc. Viens avec Claudine. Voilà, c'est Luc Leblanc. Voilà Lucho, ancien champion du monde. Quatrième et cinquième du Tour de France. Vainqueur d'étape, maillot jaune. Champion de France et champion du monde. Ah, ça va le rajeunir de recevoir un trophée. Et il reçoit le trophée donc de meilleur jeune. Voilà, il y a longtemps que ça m'est arrivé. Donc, le trophée de meilleur jeune, parrainé par la société Corriance. Merci à Christian Menessier. Merci également à Stéphane Soto. Donc, Jeanne Mimran. Et c'est pas pour toi, Lucho. Mercredi, au départ de Bessèges, il faudra le remettre à Galvan. On compte sur toi pour transmettre. On continue maintenant avec. Oui. Ah, le souvenir. Alain Bernardi, au premier de l'Espigoulier. Alors, qui était ? Je n'ai pas eu le classement. Au premier de l'Espigoulier. Voilà, le souvenir donc de Alain Bernardi, trophée remis par maître Alain Jalita, représentant la société. Galifard, représentant la société Azure Construction, et Laurent Roulet, représentant la société Sœur. Donc Alain Galifard pour Azure Construction. Voilà. Et bien,
Voilà le prix de combativité pour Alexis Bouchard. Est-ce qu'il est là, Alexis? Oui. On lui demanderait de revenir. Voilà, Dédé. Oh, je sens Dédé. On dirait une petite canne qui cherche le petit canard. Comment lui partir? Reste-moi, ce Dédé. Dans le col. Allez. Voilà, la traditionnelle photo. Voilà, Claudine, est-ce qu'elle est là pour l'étoile de message? Voilà, et puis évidemment, quand on est sur eh bien, le campionnat marseillais, vous avez une pensée pour Roland Frangil, qui avait créé l'étoile il y a 52 ans. Et à partir de mercredi, eh bien, l'étoile de message, donc commencera à y associer Raymond Poulidon. Aujourd'hui, on a une pensée pour Bernard Pitten, qui avait gagné une belle étape sur le Route du Tour de France et qui nous a quitté cette nuit. Tout à l'heure, Pierre, vous avez le comité d'organisation sur le podium. Je crois que pour ça, vous êtes moins nombreux tout à l'heure. On va pas tenir tous les bénévoles qui ont fait un travail énorme. Demain, s'il y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France. On a un autre trophée à remettre, c'est la combativité Alexis Bouchard. Donc, pour l'équipe de l'hôtel KPN, on a également le trophée du sportif le plus méritant, tout individuel. Et on va demander donc à Ara Kachadourian de bien vouloir rejoindre le podium. Il va recevoir le trophée qui va être remis par Bernard Valdiez, président du Crédit Mutuel Méditerranéen, Daniel Lacan, directeur commercial du Crédit Mutuel Méditerranéen, Pierre Guilla, président du comité.